Bonjour à toutes et à tous, chers collègues. Nous allons reprendre nos travaux. Je réouvre donc la séance de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. Et nous allons démarrer par un débat d'actualité, étant donné que pas moins de 7 questions d'actualité ont été déposées concernant le sans-abrisme. J'ai prévu d'inscrire un débat d'actualité sur ces questions à l'ordre du jour en application de l'article 113.6 du règlement. Ich erinnere daran, dass die Stellers von der Aktualitätsfragen einen Lied von elke Fraktion, waarvan geen Liedenvraag heeft ingediend, zullen beschikken over 2 Minuten Spreektijd. Het Verenigde College zal over 14 Minuten beschikken om te antwoorden. Je rappelle également aux collègues qui n'ont pas déposé de questions dans le cadre du débat d'actualité qu'ils peuvent évidemment poser. Et je propose qu'ils indiquent leur nom dans le chat s'ils souhaitent intervenir. Alors, nous allons démarrer notre débat d'actualité par mevrouw Else Rochette. Vora vraag amener Maron en Van den Brand betreffende resultaten van de laatste telling van daklozen en slecht gehuisvesten personen in het Brussels hoofdstedelijke gewest. Ensuite, ce sera monsieur Benjumea Moreno et puis nous continuerons le tour. Mevrouw Rochette, u hebt het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. De lang verwachte uitkomst van de telling van de dak- en thuislozen werd woensdag 17 maart bekendgemaakt door Brushelp. Waar de dakloze sector voor vreesde, blijkt werkelijkheid. De laatste telling van dak- en thuislozen in het gewest levert een nieuw recordcijfer op van 5.313. In 2 jaar tijd steeg het aantal met bijna 30%. Nog meer verontrustend is dat het aantal kinderen op straat fors stijgt. Ook het aantal mensen in kraakpanden neemt enorm toe. Het aantal getelde mensen op straat daalde licht, van 759 naar 719. Maar het blijft nog een bijzonder hoog aantal als we denken aan de vele tijdelijke opvangplaatsen, zoals hotels die werden geopend tijdens de pandemie. Het cijfer van 5.313 is nog een onderschatting, denkt Brushelp, want verschillende categorieën blijven onzichtbaar. Dat is onder meer het geval voor mensen die bij gebrek aan huisvesting bij vrienden of familie verblijven, de zogenaamde verborgen dakloosheid. Hoe verklaart u de kleine daling van het aantal mensen dat op straat slaapt, ondanks het openen van extra opvangplaatsen? Brushelp heeft geen verklaring voor het stijgend aantal kinderen dat op straat leeft. Hoe zal u onderzoeken hoe dat komt? Op welke manier gaat u dat probleem aanpakken? Brushelp doet enkele aanbevelingen. Ze vraagt een masterplan om dakloosheid te beëindigen en te voorkomen, met extra aandacht voor preventie. De organisatie vraagt ook om de huurprijzen te verlagen en daarnaast pleit Brushelp voor meer verblijfsvergunningen en een regularisatie van mensen zonder papieren. Hoe gaat u met deze aanbevelingen aan de slag? De Koning Boudewijn Stichting publiceerde ook cijfers over Housing First. Het aantal mensen opgevangen in Housing First steeg sinds 2018 met 33 plaatsen. Het is nodig het tempo op te drijven. Hoeveel extra plaatsen zullen er in 2021 en de komende jaren bijkomen? Ik dank u voor uw antwoorden. Dank u, mevrouw Rochette. Meneer Benjumea. Bedankt, meneer de voorzitter. Hoort u mij goed? Ja, uitstekend. Bedankt. Meneer de minister, le tableau est noir. Dat is de harde en terechte conclusie die Le Soir trekt uit de cijfers van de laatste telling van dak- en thuislozen. Op 12 jaar 3 keer zoveel dak- en thuislozen met in 2020 een triest record van 5.313 dak- en thuisloze mensen. Er zijn gelukkig iets minder mensen die op straat leven, maar wel dubbel zoveel personen in nood- of crisisopvang ten opzichte van de laatste telling 2 jaar geleden. 50% meer dakloze kinderen, ook iets minder vrouwen op straat, maar nog altijd heel veel in de noodopvang of in de kraakpanden. In de kraakpanden tellen we 70% meer mensen dan in 2018. En dan zijn er nog de ongekende cijfers van mensen in verborgen dakloosheid
en van zij die met een uitzetting worden bedreigd en dus ook riskeren om de komende maanden op straat te belanden. Uw regering heeft enorme inspanningen gemaakt met 3400 opvangplaatsen, een absoluut recordbedrag, dubbel zoveel dan ooit. En er wordt ook gelukkig ingezet op structurele oplossingen, zoals Housing First. En dan is er ook ons voorstel voor de oprichting van een huurcommissie die ervoor zal zorgen dat de huurprijzen lager blijven. Een van de vragen en een van de adviezen van Bruxelles na de telling. Maar er is veel meer nodig. Laat deze cijfers aanleiding zijn voor de uitvoering van een ambitieus en structureel daklozenbeleid, waarbij preventie en duurzame opvang voorop staan. Preventie om de groei van het aantal dakloze mensen te stopzetten, zoals ik zei, al drie keer zoveel als 12 jaar geleden. Maar ook weg met een dakloze beleid dat enkel focust op de winteropvang. Met focus op duurzame opvang het hele jaar door. Ook nu dat de winter op zijn einde komt, het kan niet de bedoeling zijn dat de mensen op straat worden gezet. Hoe wordt die opvang de komende maanden geregeld? Hoeveel dakloze mensen slapen vandaag nog in hotels? Waar kunnen ze heen als de hotels hun activiteiten terug opnemen? En tegen het einde van het jaar heeft u gezegd dat u 500 mensen aan een woonst wil helpen. Wat zijn de ambities tegen het einde van de legislatuur? Alvast bedankt, meneer de minister. Dank u, meneer Benjumea Moreno. Je cède à présent la parole à madame Viviane Teitelbaum. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, donc, selon les articles publiés au sujet du dénombrement, du sixième dénombrement de Bruxelles, on constate que la situation est de plus en plus grave. Le nombre de personnes sans abri mal logées passe donc de 4187 en 2018 à 5313 en 2020. Une augmentation de presque 30% parmi eux, comme mes collègues l'ont dit, plus d'enfants. Ils étaient 612 en 2018, ils sont désormais 933. Alors, malgré l'ouverture de 3200 places d'hébergement d'urgence depuis le début de la crise Covid, 719 personnes dormaient dans l'espace public cette nuit-là, dont 12 enfants. Un constat glaçant. Alors certes, la crise, comme on l'a déjà souvent pointé, a fortement appauvri les ménages, mais comme le souligne François Bertrand, le directeur de Bruxelles, il s'agit avant tout d'une crise sociale et économique qui préexistait. La crise a surtout eu sur ces personnes l'effet d'une bombe à retardement, mais le risque est grand pour que cette hausse se confirme dans les années à venir. Alors quand on sait que le SPP Intégration Sociale prévoit 30 000 personnes de plus qui auront besoin d'un revenu d'intégration sociale en janvier 2022, on sait qu'il faut anticiper. Alors, monsieur le ministre, lorsque les hôtels reprendront leurs activités normales, qu'est-il prévu pour les personnes qui sont hébergées? Est-ce qu'il existe un plan de déconfinement, entre guillemets, à cet égard? Est-ce qu'une réponse à cette situation dramatique est en cours d'élaboration et qui inclut le développement plus rapide de logements type Housing First et une solution pour que ces enfants et ces adultes puissent être hébergés? Je vous remercie. Merci, madame Teitelbaum. Je cède à présent la parole à madame Françoise De Smet. Merci, monsieur le président. Alors, monsieur le ministre, désolé d'encore rappeler les chiffres, mais effectivement, le dernier dénombrement montre que le nombre de sans-abri continue dramatiquement à augmenter dans la région. On l'a dit, 5300, plus de 900 enfants. Ce chiffre continue d'augmenter aussi. Et on voit que c'est effectivement une augmentation qui est structurelle, puisqu'elle date déjà de plusieurs années. Ça ne fait qu'augmenter. Donc, ce n'est pas juste un accident dû au Covid, mais c'est une augmentation constante depuis des années. Et dans ce sens-là, ça veut dire que si on ne s'attaque pas vraiment aux causes, ces chiffres vont continuer à augmenter. Et une des causes qui a été mise en avant du fait que plus de gens se retrouvent à la rue, c'est bien évidemment la difficulté d'accéder à un logement dans la région qui devient de plus en plus compliqué. Des familles appellent vraiment au secours. On en est là pour trouver un logement, un toit où ils peuvent s'héberger ainsi que leurs enfants. Et évidemment, on l'a déjà répété aussi, mais la crise Covid a un impact encore supplémentaire, donc tous les revenus qui ont diminué. On parle de faillite dans l'Eureka, on parle de restructuration dans plusieurs entreprises. Donc la situation risque encore de s'aggraver dans les mois qui viennent si rien n'est fait. Alors on est aussi dans une situation où le plan d'hiver se termine bientôt. Déjà au mois de novembre, les associations alertaient du manque de places d'accueil pour les sans-abri. Et ce n'est pas parce que maintenant il fait moins froid qu'on ne doit pas trouver un toit pour toutes ces personnes. Et d'autant plus qu'avec la crise Covid et l'épidémie qui est loin d'être finie, c'est aussi dangereux de laisser des personnes dans la rue de ce point de vue-là. Alors j'ai
toute une série de questions par rapport à ça, Monsieur le Ministre. Donc, est-ce que vous avez notamment prévu de prolonger le plan d'urgence? Est-ce que vous avez prévu d'utiliser encore les provisions Covid pour les affecter justement à notamment utiliser des bâtiments vides dans la région pour loger ces gens? Est-ce que vous avez concerté vos collègues pour prolonger le moratoire contre les expulsions domiciliaires? Et enfin, est-ce que vous avez prévu d'intensifier la politique d'housing first et de la rendre plus structurelle? Je vous remercie. Merci, Madame de Smet. Je cède à présent la parole à Madame Ostrat. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de ne pas trop répéter ce que mes collègues ont déjà dit, mais je vais quand même... C'est très bien. Donc, mercredi dernier, la presse a relayé les récentes conclusions du travail de dénombrement des personnes sans abri et mal logées qui a été dirigé en novembre 2020 par l'organisme Bruxelles, en collaboration avec les acteurs de terrain et avec l'aide de 230 bénévoles. S'il n'est pas une analyse exhaustive, ce travail constitue tout de même une photographie précise de la réalité vécue par les personnes rencontrées au moment de l'étude. Les chiffres sont assez éloquents, on l'a dit, puisqu'un total de 5313 personnes ont été recensées à Bruxelles. Il s'agit d'une augmentation de pas moins de 27% par rapport au dénombrement précédent qui date de 2018. Parmi les personnes comptabilisées, la moitié était sans abri et avait passé la nuit dans l'espace public, en centre d'hébergement d'urgence ou de crise. 21,5% se trouvaient sans logement et étaient hébergés dans des maisons d'accueil ou en logement de transit. Enfin, 28,1% dormaient dans un logement inadéquat, c'est-à-dire soit dans des structures d'hébergement non agréé, des occupations négociées ou des squats. Autre donnée importante, parmi ces 5313 personnes, 933 étaient des mineurs. De fortes hausses dans les chiffres concernent les personnes dénombrées dans les centres d'hébergement d'urgence et de crise, ce qui peut s'expliquer par la hausse des capacités d'accueil visant à loger les personnes pendant la crise sanitaire. Les chiffres traduiraient donc les moyens dégagés et mis en œuvre par les autorités et la société civile, et c'est tant mieux. Mais malgré ces nécessaires prises en charge, le nombre de personnes rencontrées et qui survivraient dans l'espace public, c'est-à-dire dans la rue, a à peine diminué par rapport à 2018. Il s'élèverait en novembre dernier à 719 individus. Le travail qui est réalisé ne suffit donc pas et on voit que les indicateurs ne cessent de s'aggraver à chaque dénombrement. Le mois dernier, un débat d'actualité avait lieu dans ce Parlement à propos du logement d'urgence des personnes sans abri pendant la vague de froid. Le Collège avait alors cité les moyens qu'il avait prévus, notamment dans le cadre du programme Housing First, mais aussi en termes d'accueil d'urgence. Heureusement, la vague de froid extrême est dernière. Il va falloir conclure, Madame Ostrat. J'y viens. Mais d'un autre côté, le spectre d'une troisième vague de Covid plane sur le pays. Pourriez-vous donc faire un nouveau point sur la situation du sans-abrisme et du mal-logement à Bruxelles au regard de ces tout nouveaux chiffres? Comment expliquer le nombre stable de personnes dormant dans la rue malgré les importants moyens dégagés l'année dernière pour augmenter les capacités d'accueil pendant le confinement? Est-ce que le Collège a pris des mesures à ce sujet pour faire face à la troisième vague? Je finis, plus qu'une question. Qui nous menace et qui menace d'autant plus ces milliers de personnes en situation extrêmement précaire. Et enfin, le mois dernier, le Collège expliquait qu'un équilibre devait être trouvé entre les solutions structurelles et les solutions d'urgence. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que de nouvelles solutions d'urgence ne s'imposent pas? Merci, Madame Ostrat. Heureusement que vous n'avez pas répété ce que les autres ont dit avant vous. Hein. Alors, je cède à présent la parole à Madame Jamoul. Oui, bonjour. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous mes collègues. Je ne vais pas répéter les chiffres du dénombrement, puisque tous mes collègues l'ont déjà dit. Et donc, je voudrais plus venir sur les recommandations du secteur. Et la première, bien sûr, c'est la baisse des loyers et l'accès à des logements de qualité et à bas coût. On se réjouit du plan d'urgence logement qui représente une opportunité, puisqu'il prévoit 400 logements en AIS à destination du secteur sans-abri. On sait que quand on voit le dénombrement, ce ne sera pas suffisant. Et donc, que va-t-on encore pouvoir développer? Je pense que là, il y a vraiment des choses importantes à faire, parce que sans logement accessible, on ne va pas trouver de solution. Alors, parmi les personnes sans abri, il y a des personnes qui sont plus difficiles à reloger, ce sont les sans-papiers. Alors, je voudrais savoir, Monsieur le ministre, on en a déjà parlé beaucoup de fois lors de débats qui concernent le sans-abrisme. Avez-vous eu l'occasion d'approfondir les contacts avec le fédéral pour trouver des solutions plus structurelles, je pense la régularisation ou aussi la prise en charge financière, puisque c'est actuellement au niveau bruxellois que l'on prend en charge, et heureusement, mais
où en est-on dans ces contacts avec le fédéral? Une chose du dénombrement qui, moi, me choque particulièrement, c'est les femmes, les enfants, les familles, qui sont encore plus fragiles parmi tous les fragiles du secteur. Alors, heureusement, il y a eu des solutions d'urgence et on se rend compte que finalement, il y a eu des solutions, mais dans l'urgence, et ce n'est pas évidemment ça qui va permettre de faire grandir ces enfants et de leur assurer un avenir correct avec de l'enseignement, avec du quartier, avec une vie digne. Okay. Moi, c'est une des choses qui me choque, donc quoi de prévu. Enfin, l'autre recommandation, c'est l'approche intersectorielle. Nous en avions beaucoup parlé lors des auditions sur le sans-abrisme, lors de l'ordonnance. Il va falloir conclure, Madame Jamoul. Et donc, je voudrais savoir les dernières dates, les dernières données par rapport au Housing First. Qu'est-ce que ça représente exactement? Quelles associations s'en occupent? Quel suivi? Faites-nous, parce qu'effectivement, c'est l'une des solutions plus structurelles. Et je vous remercie. Merci, Madame Jamoul. Mounir Kenis. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, inderdaad, ik ga proberen ook niet om mijn collega's te herhalen. We weten allemaal dat enkele dagen geleden er een aantal artikels zijn verschenen over die nieuwe telling. Meer dan 5000 mensen die thuisloos zouden zijn. Dat zijn er ruim 1000 meer dan 2 jaar geleden. Een duizendtal onder hen zou minderjarig zijn. Dat is ook ontzettend veel. En velen van hen hebben ook geen wettelijke verblijfsvergunning, wat een situatie nog precairder maakt. L'Assemblée citoyenne bruxelloise est très sensible à cette thématique et a donc proposé dans sa résolution citoyenne de prioritairement faire travail de trouver des solutions structurelles. Et donc, effectivement, le cadre du Housing First peut servir à cela, avec un accompagnement social, avec aussi des éléments sur le marché locatif. Notamment, il faut diminuer les prix de location par la médiation, propose l'Assemblée citoyenne, et avec un permis de location pour faire en sorte que les logements les plus abordables sont quand même salubres et pas des taudis comme est trop souvent le cas aujourd'hui. Donc finalement, encore, l'Assemblée citoyenne propose de mettre à disposition des bâtiments abandonnés à des personnes en précarité, sujet sur lequel on votera tout à l'heure pour une commission délibérative, ce qui est très intéressant. Uw regering lijkt deze doelstellingen genegen te zijn, die prioriteiten ook in het hoofd te hebben. Toch lijkt er nog veel werk op de plank. En daarover had ik dan de volgende vragen. Wat zijn de verwezenlijkingen tot nu toe in termen van structurele oplossingen vinden? Ook wat zijn de huidige noodopvangplannen winter en zomer? Stuurt u in het kader van deze nieuwe cijfers het beleid bij? Legt u de ambities, legt u de lat voor zichzelf hoger? Brushelp vraagt naar een masterplan over thuisloosheid, om het te voorkomen en te beëindigen. Heeft u daar werk van gemaakt? Heeft u daar een timing voor voorzien? De huurprijzen verlagen is vervolgens een cruciaal element. Heeft u studies laten uitvoeren om de impact van de voorziene paritaire huurcommissie in te schatten? En wat waren desgevallend de resultaten? Heeft u tenslotte overleg gevoerd met de federale regering wat betreft al die mensen die geen geldige verblijfsvergunning hebben? En wat was het resultaat van een eventueel overleg? Dank u wel. Dank u, meneer Kenis. Je cède à présent la parole à madame Marie Nagy. Merci beaucoup, monsieur le président. Monsieur le ministre, comme d'autres l'ont dit, ce n'est pas la première fois que nous avons l'occasion d'en débattre sur cette question lancinante et préoccupante. 30% d'augmentation du nombre des sans-abri, 933 enfants à la rue, une crise sociale forte et qui est très concentré à Bruxelles, du logement qui, ce n'est pas une nouveauté, est inaccessible à une partie des personnes qui habitent aujourd'hui la région bruxelloise. Alors, vous allez nous répondre que vous avez augmenté de manière très forte la capacité d'accueil d'urgence, les budgets, que vous développez le Housing First comme c'est prévu dans la déclaration de majorité, mais tout cela ne semble pas vraiment correspondre au flux important de personnes qui se trouvent dans une situation de précarité importante. Alors, monsieur le ministre, sans répéter toutes les questions et pour vous laisser le temps de répondre aussi, je vous demande simplement, est-ce que vous avez un plan d'urgence pour répondre à cette situation d'aggravation de 30% d'augmentation du sans-abrisme
en région Bruxelles-Capitale. Je vous remercie. Merci, Madame Nagy. Nu is het beurt aan mevrouw Sieltje van Echter. Ja, sorry. Mijn lap zit hier vast. Ja, op. Sorry, meneer de voorzitter, even een probleempje. Een verdrievoudiging van het dak, van het aantal daklozen en thuislozen op 12 jaar tijd en bijna 1000 kinderen op straat. Geachte minister, dat is de trieste balans van het Brussels daklozenbeleid. Een beleid dat massaal investeert in noodopvang en dat vergeet aandacht te geven aan structurele oplossingen. En ook Brussel Help heeft in 2018 daar al op gewezen. Er wordt vooral ingezet op noodopvang en de structurele oplossingen blijven uit. Minister, we hebben het rapport nog niet. We hebben cijfers, maar naast de telling zou ik eigenlijk van u willen weten, wie zijn die daklozen? Zijn het transmigranten die naar de UK willen? Zijn het mensen die uitgeprocedeerd worden, die eigenlijk zouden terug moeten keren naar hun land? Of zijn het Brusselaars die op straat belanden, of andere Belgen die op straat belanden door hun situatie? Ik denk dat het belangrijk is dat naast de cijfers die schrijnend zijn, die enorm stijgen, u ook ons laat weten wie zijn die mensen daarachter. We hebben altijd gezegd dat een opvang van transmigranten zou leiden tot een aanzuigeffect. Vandaag lijken de cijfers dat te bevestigen, maar ik hoor graag van u wat er daar juist achter zit. En ook welk beleid u daar nu gaat tegenover zetten om dat structureel aan te pakken. Dank u, meneer, mevrouw Van Echter. Pardon. Je cède à présent la parole à madame Tar. Madame Tar, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Ministre, comme mes collègues, je suis également très inquiète, évidemment, de ce sixième dénombrement de Bruxelles qui rappelle un chiffre qui fait froid dans le dos, 5300 personnes sans abri, dont énormément d'enfants, donc 933 enfants et 20% de femmes. Alors, sans compter, évidemment, toutes les personnes dites évaporées qui sont sous les radars et dont on ne peut malheureusement pas dénombrés. Alors, était-ce prévisible? Oui, malheureusement. Oui, parce que c'est aussi les conséquences d'un détricotage de la sécurité sociale, de politiques antisociales des précédents gouvernements au niveau fédéral. Nous savons que la crise sociale et économique précède à la crise sanitaire et aujourd'hui, nous en payons les pots cassés. Alors, Monsieur le Ministre, évidemment, vous n'avez pas de baguette magique. Vous avez augmenté considérablement les moyens consacrés à la lutte contre le sans-abrisme. Mais je souhaiterais quand même à l'aune de ce dénombrement, que vous puissiez nous faire un état des lieux de la situation, non seulement en termes de mesures urgentes, mais surtout en termes de dispositifs structurels. Car nous savons très bien que c'est une matière transversale qui touche une série de compétences. Et j'aurais voulu savoir comment s'organise la collaboration, notamment avec votre homologue, Madame la secrétaire d'État au logement, puisqu'on sait aussi qu'il s'agit de pouvoir reloger et de remettre les personnes, donc de sortir les gens de la rue, de les mettre dans des logements, et donc de s'attaquer vraiment aux causes plutôt qu'aux symptômes. Donc je souhaiterais également, Monsieur le Ministre, avoir peut-être également un état des lieux sur la situation des personnes qui sont actuellement logées dans des hôtels et dont nous savons que ce logement est purement temporaire. Voilà, je vais en rester là parce que je pense que un débat aussi important sur le sans-abrisme nécessite plus que 2 minutes par député. C'est pour ça que je poserai une question plus étayée qui sera débattue en commission sociale santé très prochainement. Et voilà, je vous remercie d'avance pour vos réponses, Monsieur le Ministre. Merci, Madame Tar, mais c'est le principe du débat d'actualité. C'est prévu par notre règlement. Je cède à présent la parole à Madame Frémaux. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'avais rentré une demande d'interpellation et d'explication sur le sujet. Je vais essentiellement me concentrer sur 3 types de questions, pas refaire l'ensemble des préalables. On constate une augmentation extra-normale, entre guillemets, de ce qu'on pourrait évidemment lier à la question 1 des politiques fédérales, 2 de la question de la crise corona. 3 choses. Si on compare les chiffres disponibles de 2020 avec 2018, on a une augmentation de 27%, ce qui est énorme. Les enfants représentent 17,5% des personnes sans logement contre 14,8% en 2018. On a une proportion de femmes qui diminue légèrement, passant de 22% à 20,9%. Et moi, je veux savoir s'il y avait une première explication à cette corrélation négative. On aurait pu s'attendre à l'inverse, soit qu'une diminution de femmes entraîne une diminution d'enfants. Est-ce que ça vient par le nombre très élevé de personnes considérées comme genre indéterminé? Et comment expliquer ce taux-là?
Par ailleurs, il y a un dispositif famille qui était prévu sur l'ancien site de Bruxelles Environnement à Woluwe-Saint-Lambert. Je voulais savoir si c'est toujours ce site-là qui accueille des familles avec enfants. Deuxième chose, en 2020, les premiers chiffres publiés parlent d'espaces publics et d'hébergement d'urgence, mais de foyers d'hébergement et de logements non conventionnels. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de savoir en fait d'où viennent les chiffres. Quand on dit qu'il y a 3200 espaces aujourd'hui, vous y comptabilisez les centres d'accueil. Qu'en est-il donc des efforts de la plateforme citoyenne, bien évidemment des maisons d'accueil, des communautés religieuses, des logements en transit de CPS, des CHNA, des squats, des occupations négociées. Et donc, on aurait besoin d'une catégorisation chiffrée. Dernière chose, il est évident que c'est la question de la préparation du monde d'après. Est-ce que vous avez des contacts avec Mme Benhamou pour mettre en place des mesures préventives aussi? On parle beaucoup de solutions, on a parlé de Housing First qui a été initié sous la législature précédente, mais quelles sont les mesures pour éviter que les plus précaires ne tombent en sans logement? Les dispositifs d'urgence comme les hôtels vont-ils perdurer? Et je voudrais vous demander aussi, une fois que les interpellations seront agendées à l'ordre du jour de la Commission des affaires sociales et évidemment de la santé, qu'on puisse avoir une audition de Bruxelles préalablement à un débat. Cela me semble important qu'ils viennent présenter le travail qu'ils ont fait et nous donner déjà toute une série de précisions. Je vous remercie. Merci Madame Frémaux. Voilà, nous avons fait le tour. Je regarde s'il y a d'autres collègues sur le chat qui souhaitent encore intervenir. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le président. Dank u voor al uw vragen over de telling die Brussel in november heeft gehouden en die deze week is voorgesteld. Et donc, en préambule, je souhaite évidemment proposer que le rapport fasse l'objet d'une présentation au sein de cette Assemblée. Il me paraît en effet utile de prendre le temps d'examiner l'ensemble des éléments que ce dénombrement met en évidence, ainsi que l'ensemble des pistes d'action qu'il suscite. Bruxelles me confirme qu'une proposition allant en ce sens a été adressée au Parlement. Donc, Monsieur le Président, vous devriez la recevoir, si vous ne l'avez pas encore reçue, la proposition de Bruxelles de venir présenter ici au Parlement. Zoals u weet, heeft de telling tot doel een foto in cijfers te geven van de situatie op een bepaald moment. Zo kunnen de overheid en de actoren passende antwoorden geven op vlak van preventie en interventie. Deze telling is uitgevoerd op 9 november 2020 in volle COVID-19-pandemie. Dit was de zesde editie van deze telling in het gewest. Bij deze telling waren 91 organisaties, waaronder 15 OCMW's en meer dan 230 vrijwilligers betrokken. Ik zou willen wijzen op enkele methodologische elementen. Le dénombrement est effectué selon la typologie ETHOS, qui est développée par la FEANSA, la Fédération européenne des associations nationales qui travaille avec les sans-abri. C'est une méthodologie qui vise à mesurer l'exclusion liée au logement, à savoir les personnes qui ne disposent pas d'un logement fixe adéquat, un lieu de vie privé, un titre d'occupation légale. Le recensement porte donc sur des situations bien plus larges que les personnes sans-abri au sens strict. Les avantages, il s'agit d'une méthodologie solide appliquée par de nombreuses villes, basée sur le principe de mesurer pour agir. C'est un véritable outil d'aide à la décision. Il existe à Bruxelles depuis nombreuses années, donc maintenant on a de l'expertise. Les inconvénients, il est risqué de verser dans la tentation de comparer des villes qui ont des réalités sociologiques très différentes. La dénomination technique des catégories de personnes et situations visées est complexe. Ça nécessite une expertise pour interpréter correctement la réalité qui est derrière les chiffres, d'où l'intérêt d'avoir des présentations et débats ici au Parlement. Je ne vais pas reprendre ici la présentation de l'ensemble des éléments du rapport, mais je souhaite mettre en exergue quelques éléments clés. 1. Le nombre de personnes en rue diminue légèrement par rapport à 2018, moins 5%. Le nombre de personnes prises en charge dans les structures d'aide augmente, plus 34%. En effet, parmi les 5313 personnes recensées, 6 personnes sur 10 sont prises en charge par des structures d'aide. Logements de transit, maisons d'accueil, hôtels, hébergements d'urgence, etc. Cette augmentation du nombre de personnes accueillies dans des dispositifs qualitatifs... Monsieur le Président, je n'ai pas de chrono, en fait, donc je ne sais pas du tout où j'en suis. Monsieur le Président, j'ai free time ? Free time, monsieur le ministre. Non, j'essaie juste de savoir où j'en suis. Ah, 17 minutes, ça va alors, pas de souci. Cette augmentation du nombre de personnes accueillies dans des dispositifs qualitatifs, c'est effectivement la
la transcription concrète des budgets importants qui ont été alloués à la prise en charge de ces publics particulièrement vulnérables depuis le début de la législature. Il reflète aussi malheureusement la précarité grandissante et réaffirme la nécessaire mobilisation de tous les acteurs à tous les niveaux de pouvoir pour d'une part reloger durablement les personnes sans abri, d'autre part lutter en amont contre les causes de la précarité qui peuvent amener les plus vulnérables à la rue. Le rapport de Bruxelles met aussi en avant une augmentation du nombre d'entrées de personnes migrantes sur le territoire belge, avec Bruxelles comme point nodal des migrations internationales. Cette hausse se reflète évidemment dans les chiffres des personnes prises en charge dans les structures bruxelloises d'accueil. Même si l'accueil des réfugiés est à la base une compétence fédérale, la région bruxelloise, et vous le savez, a en effet tenu à offrir un accueil à cette population migrante particulièrement vulnérable et en plus aussi les protéger par rapport à la pandémie Covid. Par ailleurs, on observe une diminution du nombre de femmes recensées dans l'espace public, 51 en 2020 contre 84 en 2018. Ça me semble être clairement le reflet des mesures prises durant la crise et qui ont ciblé spécifiquement les femmes. La capacité accessible au 1er mars de cette année, il y a 936 places qui sont accessibles aux femmes seules, femmes accompagnées avec enfants et familles dans les dispositifs d'accueil et d'urgence. Il y a aussi 454 places supplémentaires au sein de 14 maisons d'accueil. Alors, au-delà des constats de ce dénombrement, des pistes pour les médias, et surtout étant donné que la crise sanitaire est loin d'être terminée, on poursuit l'accueil de cette population fragilisée. Les dispositifs d'accueil actuels sont garantis jusqu'à la fin juin. Dans les semaines à venir, il y aura lieu de déterminer de quelle manière une partie de la capacité complémentaire mise en place grâce au budget dégagé dans le cadre de la crise Covid doit être prolongée. Zoals wij vaak hebben gezegd, is een massale actie nodig om zoveel mogelijk mensen op lange termijn te huisvesten en progressief over te schakelen van een logica van noodhulp naar een logica van huisvesting. Dans cet objectif, les budgets dégagés dans le cadre du plan de relance et de redéploiement adopté par le gouvernement produiront dans l'immédiat et dans les mois à venir des résultats concrets. 150 familles et personnes relogées d'ici le 1er juin dans le cadre de 6 projets en partenariat avec des CISP communes et CPS. On doit atteindre aussi 500 personnes et familles logées durablement et accompagnées d'ici la fin 2021. Et on vise 800 personnes relogées durablement d'ici juin 2022. On a lancé déjà deux appels à projets. On lancera pour fin mars deux appels à projets. Un appel à projet aux agences immobilières sociales avec du budget pérenne qui vise à générer 400 logements pour personnes sans abri au sein des logements AIS, 400 logements complémentaires. Et des budgets pérennes ont été inscrits pour ce faire, mais il y a aussi un appel à projet aux communes et CPAS dans le cadre du plan d'urgence logement, ce en collaboration avec ma collègue Nawal Benamou. Toutes les personnes sans abri relogées dans le cadre de ce processus bénéficieront d'un accompagnement médico-psychosocial personnalisé et adapté. Le basculement de l'urgence vers du relogement durable est indispensable pour des raisons de dignité humaine, mais en fait, paradoxalement, ça revient aussi moins cher, donc ça permet de produire en fait plus de logements avec le même budget. À titre comparatif, l'accueil d'urgence revient à 20 000 euros par an par personne, l'accueil en housing first ou dans des logements accompagnés à 5 000 euros par an et par personne. Alors, comment lutter contre la précarité grandissante à tous les échelons? C'est clair que la précarité croît depuis de nombreuses années et la crise qu'on est en train de traverser, qui ne fait que commencer, je parle en tout cas de la crise sociale et économique qui découle de la crise Covid, ne fait que renforcer cette précarité. Deux chiffres à titre d'exemple. Le nombre de bénéficiaires de revenus d'intégration sociale a augmenté de 55% entre 2009 et 2019. Et nous savons qu'avec la crise, les demandes d'aide ont encore augmenté avec une diversification du public. On sait qu'au niveau du logement, si on fixe à 30% la part des revenus alloués au loyer, le premier décile des logements les moins chers de l'agglomération n'est accessible qu'à 52% de la population bruxelloise. La moitié de la population bruxelloise n'a donc pas les moyens de se loger décemment à Bruxelles, en tout cas si elle ne consacre que 30% de ses moyens au logement, ce qui est la norme attendue. On a donc effectivement une question de manque d'accessibilité des logements.
de daklosen kwestie in het gewest bevindt zich dus op het kruispunt van verschillende problemen, de toenemende precarisering van de volks- en middenklasse, het gebrek aan betaalbare woningen en het beheer van de migratieproblematiek. De impact van de sanitaire crisis is nu aan deze factoren toegevoegd. Je tiens à rappeler que la Belgique s'est engagée au niveau des Nations Unies à respecter les 17 objectifs de développement durable. Et le premier objectif, c'est de réduire de moitié au moins la proportion d'hommes, femmes, enfants de tous âges souffrant d'une forme ou l'autre de pauvreté telle que définie par chaque pays. On en est bien loin puisque malheureusement, nous sommes plutôt partis dans la direction opposée d'une augmentation de la pauvreté et non d'une diminution à l'horizon 2030. Et donc j'en appelle vraiment à tous les acteurs à agir ensemble, à tous les niveaux de pouvoir et de manière transversale sur les leviers qu'on a tous à notre échelle pour lutter contre la précarité. En région bruxelloise, on travaille à la prévention de pertes de logements et on y travaille activement avec Madame Benamou, avec un certain nombre d'actions concrètes qui sont déjà en route. Vous savez qu'on a travaillé aussi avec les CPS là-dessus, notamment dans les moyens de 30 millions d'euros qui leur ont été réservés. Et on va continuer dans cette direction de la réduction de la précarité énergétique. J'ai eu l'occasion d'en discuter encore cette semaine en commission Enviro. Une autre piste complémentaire à la priorité de relogement massif me semble devoir être recherchée dans le soutien des occupations négociées de bâtiments vides. Ces occupations s'étalent en général sur plusieurs années. Elles peuvent ainsi servir de tremplin à des personnes précarisées sans abri qui peuvent avoir accès à leurs droits sociaux, puisque bien souvent on peut se domicilier dans ces bâtiments. En plus, il y a souvent un encadrement et une base légale entre propriétaires et occupants et une association qui agit comme intermédiaire, que ce soit la FEBUL, Communa, des collectifs citoyens, etc. Bien entendu, des normes minimales doivent être rencontrées au niveau de la sécurité et de la salubrité. Il s'agit aussi de poursuivre le soutien aux personnes migrantes. Il me semble intéressant de rappeler les conclusions d'un autre rapport de Bruxelles et de Diogène. Parmi les migrants européens qui ont accès à l'aide sociale, seulement 6% sont à la rue, alors que le chiffre montre à 64% pour celles et ceux qui n'ont pas de revenus. Ça signifie donc que les migrants sont à la rue parce qu'ils n'ont pas de droits. Quand ils sont à la rue, bien souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas accès à des droits sociaux ou à des droits au travail. Il importe d'accélérer le processus d'octroi d'un permis de séjour à ses ressortissants, car c'est un statut qui leur permet d'avoir accès à l'aide sociale, à un travail, mais aussi au droit à la santé. Il faut régulariser les sans-papiers, c'est très clair. Il faut régulariser les personnes sans-papiers. Le fait de ne pas les régulariser entraîne de la précarité supplémentaire au niveau de la population, et ça se traduit notamment dans les chiffres de Bruxelles. Je tiens aussi à dire que les moyens qui sont mis par la région bruxelloise sur la politique d'aide aux sans-abri sont proportionnellement sans commune mesure, avec les moyens qui sont mis sur la table par les autres régions et par les autres grandes villes. Dans aucune autre grande ville, même en proportion, il n'y a autant de moyens, autant de places, autant de dispositifs qui sont disponibles dans aucune grande ville du pays et de loin. Il y a évidemment des leviers aussi au niveau fédéral, comme relever les revenus de remplacement ou les allocations sociales pour les aligner au minimum sur les seuils de risque pauvreté, automatiser les droits sociaux, surtout pour les bénéficiaires d'interventions majorées, améliorer l'accueil des migrants, je l'ai déjà dit. Et donc, en conclusion, c'est véritablement tous ensemble, les CPS, les communes, les régions, le fédéral, pour les pouvoirs publics et le secteur associatif, qu'on arrivera à réduire la précarité et le nombre de personnes sans abri dans la durée. Alors, sur certaines questions plus précises concernant les enfants inclus dans les chiffres du dénombrement, 933 enfants et adolescents comptabilisés, le nombre d'enfants en rue est en légère diminution par rapport à 2018, 12 par rapport à 20. Les enfants adolescents se retrouvent majoritairement dans les centres d'urgence, maisons d'accueil et hôtels. 31% entre 0 et 3 ans, 48% entre 4 et 12, 21% entre 13 et 18. Et donc, c'est le reflet aussi que de nombreux dispositifs d'aide qui ont été mis en place sont des dispositifs qui s'adressent aux femmes, mais aussi aux femmes accompagnées d'enfants et aux familles. Concernant le Housing First, les moyens ont bien été déjà doublés. De 2019 à 2020, on est passé de 104 à 200 places.
Et en 2021, je l'ai dit, il y a des moyens substantiels qui ont été dégagés. On devrait augmenter encore de manière importante le nombre de logements Housing First. Les quatre opérateurs qui sont subventionnés pour assurer cette mission sont Infirmiers de rue, le SMES, le New Samu Social et Diogène. Merci, Monsieur Marron. Nous avons fait grâce à une recherche pour une courte réaction, car une rue dat u heeft, u hebt, une minute. Mevrouw Rochette. Dank u wel, meneer de voorzitter. En dank u wel, minister Marron, voor uw antwoord. U hebt heel veel cijfers gegeven, dus ik ga het op mijn gemak nog eens nalezen achteraf. Ik heb niet alles zo kunnen volgen, maar het is wel duidelijk dat u de betrachting hebt om echt tot oplossingen te komen en dat u de juiste analyses maakt, denk ik. Ik hoop met uw deel. Goed te horen dat er heel veel extra plaatsen gaan bijkomen, ook met het plan logement sociaal, et cetera. Dus dat is allemaal positief. Ik zou nog willen oproepen om ook signalen te geven naar de dakloze sector, want daar hoor ik toch dat ze zich wat in de steek gelaten voelen. Que le secteur social se sent pas soutenu. Et peut-être que le message que vous donnez maintenant ici, que ça leur arrive pas, parce que ils ne ressentent pas comme ça. En dan bedankt dat u zegt, il faut régulariser les sans-papiers. Je suis d'accord avec toi et merci beaucoup de prendre cette position. Merci. Merci, dank u mevrouw Rochette. Meneer Benjumea Moreno, korte reactie. Ja, zeer kort. Bedankt, meneer de minister. Van mijn kant ook veel cijfers. Ik onthoud vooral dat u meezit in die logica van in plaats van noodopvang, massaopvang, winteropvang, over te gaan naar duurzame opvang. En ik heb ook onthouden dat dat ook gewoon veel goedkoper is. Niet dat dat de belangrijkste hoofdmotor moet zijn, maar het kost €5.000 in plaats van €20.000. Dus ik zou zeggen, ga daarvoor zo snel mogelijk. Bravo dat die 500 plaatsen er komen. Ik hoop dat de komende legislatuur gewoon, bij wijze van spreken, als het nodig is, 5.000 zijn, zodat er niemand op straat nog in een grote opvang moet worden opgevangen, maar gewoon recht heeft op zijn woning, zoals in artikel 23 van de grondwet beschreven staat. Dus u heeft mijn steun en ik zal bekijken hoeveel vooruitgang dat er wordt geboekt. Dank u, meneer Benjumea Moreno. Madame Tettelboom. Oui, merci, Monsieur le Président, mais je veux remercier Monsieur le Ministre pour ses réponses. Effectivement, ce serait intéressant d'entendre Bruxelles et d'avoir un état des lieux approfondi. J'entends bien ce que vous dites, mais voilà, les chiffres restent quand même glaçants, j'ai envie de dire, quand on voit le nombre d'enfants en rue, c'est bien, enfin, le nombre de personnes qui restent, qui passent la nuit dehors et en novembre, c'est partant de grand froid. Donc voilà, il y a beaucoup à mettre en place. Quand vous dites la pauvreté, voilà, les objectifs de développement durable, c'est très bien. La pauvreté se dégrade dans notre région depuis 17 ans en réalité. Donc voilà, il faut vraiment que ça devienne une priorité de ces gouvernements de gauche qui se succèdent depuis 2004. Parce que voilà, il faut apporter une réponse, il faut des réponses concrètes et il faut le faire dans un délai rapide. Merci. Merci, Madame Tettelboom. Madame De Smet. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour vos réponses. Mais donc, le constat, effectivement, que la précarité augmente depuis des années et c'est clair qu'avec le Covid, on va être face à encore des situations bien plus dramatiques. Mais avec les chiffres que j'ai entendus aujourd'hui, que vous nous avez donnés, j'ai l'impression que la course contre la montre entre pouvoir donner des solutions et cette précarité qui augmente, on est en train de la perdre. Donc vous avez donné le chiffre de 200 places pour le Housing First entre 2019 et 2020. Sauf si je me trompe, je n'ai pas entendu de chiffres pour 2021. Donc on parle de 5300 personnes qui n'ont pas accès à un toit. Donc on voit qu'on est quand même on continue à être dans un déséquilibre entre les solutions qu'on arrive à offrir, les moyens qui sont dégagés pour ne plus laisser des personnes dans la rue et effectivement cette précarité qui ne cesse d'augmenter. Donc vous avez encore répété vous-même les chiffres sur la question du logement où on est vraiment dans une situation où de plus en plus, donc ces chiffres augmentent encore chaque année, de gens qui n'ont pas accès à un logement abordable. Et donc j'avais encore une dame aujourd'hui qui m'expliquait, elle avait quitté Bruxelles pour avoir un loyer plus faible, mais elle se rend compte qu'en habitant en Flandre, elle se ramasse des taxes supplémentaires. Et donc,
on n'arrive pas à, okay. à avoir des solutions pour tous ces gens. Et donc, oui, la course contre la montre, là, on est en train de la perdre. D'accord. Alors, je cède à présent la parole à Madame Jamoul. Non, à Madame Ostrade, pardon, excusez-moi. Madame Ostrade. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour toutes ces informations. Il faudra continuer à suivre les différents projets que vous avez à nouveau détaillés et espérer qu'ils fassent une vraie différence en termes de sans-abrisme. Dans son analyse, Bucelp explique que certaines des hausses observées s'expliquent par les moyens accrus de prise en charge pendant le premier confinement. Mais dans le même temps, le nombre de personnes dans la rue n'a pas significativement diminué. J'en comprends que si la COCOM n'avait pas dégagé ses importants moyens d'accueil d'urgence, le nombre de personnes sans-abri recensées dans la rue aurait en fait peut-être été beaucoup plus élevé. Le problème est donc évidemment structurel et lié à la précarité et à la crise du logement, comme cela a été rappelé. Et enfin, je soutiens et salue vos propos par rapport aux droits des sans-papiers. Je vous remercie. Merci Madame Ostrade. Madame Jamoul. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais remercier le ministre d'abord pour les chiffres, mais aussi tout le travail, l'augmentation des places, les accords avec Madame Benawal. Je pense que c'est vraiment essentiel. Alors le sans-abrisme, c'est la pointe de l'iceberg de l'extrême pauvreté et c'est effectivement multifactoriel. Il faut des solutions structurelles et entre autres, et c'est pas Bruxelles tout seul qui pourra y arriver, c'est aussi avec le fédéral. Je pense que c'est bien que vous ayez mis ça aussi en évidence. Moi, je me réjouis que nous aurons un débat plus approfondi en commission santé de personnes avec Bruxelles, parce que je pense que ça vaut la peine de faire un travail sérieux pour essayer de voir encore davantage comment mieux travailler tous ensemble. Je vous remercie. Merci, Madame Jamoul. Meneer Kennis. Ja, ik wil ook de minister danken voor zijn duidelijke uitspraken en de vele cijfers die hij gegeven heeft, die we ook zullen bekijken. Ik denk dat het inderdaad belangrijk is om die omslag te maken. Il faut aller vers des solutions structurelles. Il faut surtout aller dans la prévention, parce qu'en hébergeant des gens, on n'évite pas qu'ils viennent sur la rue. Et donc voilà, il faut effectivement pouvoir les loger, appliquer cet article 23 de la Constitution. C'est un droit pour les Bruxellois aussi, donc il faut faire en sorte qu'ils puissent l'appliquer. Voilà, j'ai pas vraiment de réponse par rapport à la baisse des loyers, mais je pense que les réponses viendront peut-être en discutant les différentes propositions d'ordonnance en commission de logement sur l'encadrement des loyers. Merci. Merci, M. Kennis. Dankou. Madame Nagy. Beaucoup, M. le Président. Donc, une urgence sociale énorme, une précarité qui est vraiment alimentée par divers canaux. Vous faites bien le diagnostic. Il y a des réponses qui ont été données en urgence et d'autres qui se préparent de manière structurelle. Je pense vraiment qu'il ne faut pas arrêter les réponses qui ont été données en urgence et que donc, probablement que le mois de juin, ça sera un peu trop tôt pour arrêter et mettre toutes ces personnes dans la rue à nouveau. Et enfin, sur la question de la régularisation. Ah, le grand rendez-vous manqué de la Vivaldi. Je vous propose, Monsieur le ministre, de soutenir la proposition de loi que Défi, par l'entremise de François de Smet, a déposée, demandant des critères clairs et objectifs pour assurer régularisation sur base vraiment d'une procédure structurelle. Nous sommes les seuls au fédéral à faire cette proposition et j'espère que vous la soutiendrez avec force et conviction comme vous l'avez fait ici à Bruxelles. Merci Madame Nagy. Mevrouw Van Achter. Meneer de minister, u heeft dus eigenlijk hier net gezegd dat Brussel een hub geworden is voor transitmigranten, dat de cijfers stijgen in de noodopvang, dat Brussel dus een aantrekkingspool is geworden voor illegalen op weg naar de UK. Nu, dat is niet de oplossing, meneer de minister. De oplossing voor die transmigranten, hoe pijnlijk het ook is, is ofwel asiel aanvragen, ofwel terugkeer naar het land van oorsprong. En een hub naar de UK is enkel goed als businessmodel voor mensensmokkelaars. Dus, meneer de minister, uw beleid doet de cijfers stijgen en creëert eigenlijk geen oplossingen. Dus, minister, u moet uw beleid aanpassen, inzetten op structurele oplossingen. En de regularisatie van de sans-papiers is geen oplossing hier is. En ik denk ook niet dat de federale regering dat van plan is. Dank u, mevrouw Van Achter. Madame Taar.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour vos réponses et pour avoir aussi pris en compte la dimension genrée, l'approche intersectorielle et transversale de cette matière ô combien complexe et qui touche, comme vous le dites, à juste titre, une série de niveaux de pouvoir et plusieurs ministres en charge du logement et de la lutte contre le sans-abrisme. Je salue également ce souci, cet intérêt porté sur la prévention plutôt que sur... uniquement sur les solutions. Et enfin, vraiment, je tenais à saluer votre prise de position courageuse, car si, contrairement à ma collègue qui vient d'intervenir de la NVA, elle estime que ce n'est pas une solution, moi, au contraire, au nom du groupe Écolo, on estime que c'est une des solutions de pouvoir régulariser les personnes sans papier, maintenant, ici, et évidemment, nous soutiendrons au niveau fédéral si un débat devait avoir lieu dans ce sens. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre intérêt concernant les personnes sans papier. Merci, Madame Tahar. Madame Frémaux. Je remercie Monsieur le Président. Merci pour les réponses apportées. Ça nécessitera évidemment un travail beaucoup plus approfondi en commission avec l'audition de Bruxelles. Par rapport aux réponses qui sont apportées à l'urgence, elles sont incontournables aujourd'hui. Je sais que vous n'êtes pas friand de répondre à l'urgence, même si c'est quelque chose qui s'impose en fait à tous. Mais il est impossible de nier aujourd'hui une réalité qui ne fait que s'accentuer de plus de 27% en 2 ans de temps. Sur les réponses structurelles, évidemment que le fédéral a un rôle majeur à jouer et que la question de la régularisation, elle est centrale. Ça fait 10 ans qu'il n'y a plus de régularisation en Belgique. La dernière régularisation, elle était voulue et exécutée par Melchior Wathelet en 2010. Nous sommes 11 ans plus tard. Ça veut dire qu'il y a des familles entières qui sont ancrées et qui n'ont pas pu se voir attribuer des papiers. Maintenant, les solutions structurelles, Housing First, la possibilité aussi pour les femmes d'utiliser le dispositif mis en place en 2017, de pouvoir aller d'une maison d'accueil à du logement structurel. Je pense par contre qu'il y a encore beaucoup de flux sur la question des mesures préventives pour éviter de tomber dans la pauvreté. Okay. Vous évoquez 30 millions pour les CPS, je vous entends, Monsieur le Président, mais ça fait très peu au final, vu l'ampleur de la crise, et ça ne fait pas de mesures spécifiques en logement. Merci, Madame Frémaux. Ceci clôture notre débat d'actualité en application de l'article 113. Nous passons à présent aux questions d'actualité déposées pour l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. Nous passons tout de suite à la question de Madame Plovy. Question adressée à M. Marron et Mme Vandenbrand. Et il y a également 4 autres questions jointes, celle de Mme Bertrand, M. Busselen, Mme Van Acter et M. Debock. Nous démarrons par la question de Mme Plovy relative à la décision de ne pas suspendre l'utilisation d'un vaccin anti-Covid-19 controversé et dernier développement de la vaccination en région de Bruxelles-Capitale. Mme Plovy, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. le Président. Est-ce que vous m'entendez ? On vous entend parfaitement. Parfait, c'est très bien. Alors, Monsieur le Ministre, l'Agence européenne des médicaments a remis hier ses conclusions, très attendues, sur le vaccin AstraZeneca, le qualifiant de sûr et efficace. C'est un soulagement pour les personnes déjà vaccinées et celles qui attendent leur tour. Cela conforte aussi notre pays dans sa décision de ne pas suspendre son utilisation. Ce choix de la Belgique, qui la distinguait de ses voisins européens, en a étonné plus d'un. Alors, je voulais vous interroger sur la manière dont la décision a été prise. Était-ce uniquement du ressort du fédéral ou y avez-vous pris part en concertation avec vos homologues en CIM Santé? Quelles autres instances y ont été associées? J'ai aussi quelques questions sur la situation de la vaccination à Bruxelles. Quelles sont les évolutions depuis la semaine dernière en commission? Vous nous aviez donné pas mal déjà d'informations. La livraison des nouveaux stocks, où ça en est? L'ouverture de nouveaux centres? A-t-on pu progresser sur la vaccination de nouvelles cohortes de population? Je pense notamment aux personnes de plus de 75 ans. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, d'avance. Merci beaucoup, Madame Plovy. Je cède à présent la parole à Madame Bertrand pour sa question relative aux chiffres de la vaccination contre la Covid-19 en région de Bruxelles-Capitale. Vous avez la parole, Madame Bertrand. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'aurais pu faire une question d'actualité aujourd'hui sur l'ORECA parce que la situation est tellement criante que j'aurais voulu vous en parler. Mais en fait, ma question va quelque part la rejoindre, Monsieur le Ministre, parce que je pense que la première solution pour l'ORECA, c'est d'avoir une vaccination efficace et de voir que la vaccination avance, outre évidemment les compensations, dont la prime Tetra qui doit arriver
urgemment. Monsieur le ministre, le site de Cienzano nous a indiqué ce jeudi 18 mars que 57 700 premières doses et 25 200 deuxièmes doses avaient été administrées en région bruxelloise, donc un total de 82 900. Le site de la COCOM a indiqué, lui, pour le 12 mars, donc 6 jours plus tôt, c'est les données officielles les plus récentes dont nous disposons, un total de 112 550 vaccins administrés. À cette même date, Cienzano, quant à lui, faisait part d'un total de 63 255 doses, donc environ la moitié. Alors, vous nous l'avez dit, on a compris, hein, monsieur le ministre, il y a un retard d'encodage dans Vaccinet, donc il y a un retard dans les chiffres publiés par Cienzano. Mais mon point, c'est qu'aujourd'hui, il est impossible de savoir où nous en sommes exactement à Bruxelles par rapport aux objectifs à atteindre pour chaque phase. On entend tous les jours des citoyens nous dire que Bruxelles est très en retard en termes de vaccination. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Bruxelles paraît effectivement en retard dans les chiffres, mais en réalité, il est impossible de tirer une quelconque conclusion à ce stade sans connaître le nombre de Bruxellois à vacciner dans chaque groupe cible et parmi ceux-là, le nombre de non-Bruxellois vaccinés à Bruxelles. Et ma question, c'est, est-ce qu'on peut avoir de la transparence dans ces données, monsieur le ministre? Si Bruxelles n'est pas en retard, comme vous l'affirmez, eh bien, une plus grande transparence dans les données permettrait d'éviter des critiques infondées. Dès lors, est-ce que vous pouvez vous engager à nous fournir ces éléments de manière claire et régulière? Quelles sont les raisons pour lesquelles ces données ne sont pas régulièrement mises à jour sur le baromètre de la COCOM? Où en est la mise en œuvre du dashboard en ligne dont vous nous avez parlé lors de la dernière commission, qui est chargée de son opérationnalisation? Et enfin, lors de cette dernière commission, vous nous aviez indiqué que la vaccination au sein des hôpitaux avait atteint les 79,3% en première injection, soit un chiffre largement supérieur aux données communiquées dans la presse cette semaine. Dès lors, est-ce que vous pouvez également faire un état de la situation par rapport à la vaccination dans les hôpitaux? Je vous remercie. Merci, Madame Bertrand. Meneer Busselen, u hebt het woord. Dank u, meneer de voorzitter, beste collega's. Het gaat de foute kant op. Het aantal besmettingen neemt opnieuw dramatisch toe. We staan mogelijk voor een derde golf. Wie had dat ooit kunnen denken, een derde golf? Na 1 jaar van lockdown, van maatregelen, versoepelingen, semi-lockdown, beperkingen van onze burgerlijke vrijheden, houdt het virus de samenleving nog altijd in een wurggreep. Er is de opkomst van de Britse variant, die verspreidt zich snel. Maar ook de afwezigheid van een efficiënte vaccinatiecampagne, die versnelt, zorgt ervoor dat er niet snel genoeg een groepsimmuniteit wordt opgebouwd. Volgens de cijfers van Cienzano vaccineert Brussel trager dan de andere gewesten. Volgens u komt dat omdat we hier niet Brusselaars vaccineren die er werken. Ongeveer 35.000, zei u, want het juiste cijfer kan u niet geven. Gisteren liet uw collega uit de Vlaamse regering, Wouter Beke, weten dat het volgens hem om 2.000 à 3.000 niet-Brusselaars gaat. En zelfs als het om 40.000 niet-Brusselaars zou gaan, dat dat niet het trage niveau van vaccinatie kan verklaren. Bah, entre nous, à mon avis, Wouter Beke joue un jeu communautaire. On n'a pas besoin de ça. Mais il faut des chiffres. Il faut admettre qu'il y a de nouveau pas mal de problèmes. Au cours des dernières semaines, nous avons vu la lenteur de l'ouverture des centres de vaccination, les groupes à risque qui n'ont pas pu être vaccinés à partir de mars, les problèmes liés aux formulaires d'inscription en ligne, les invitations envoyées à des mauvaises adresses, etc., etc. Et donc, mes questions sont, weet-u exact hoeveel niet-Brusselaars die wonen in Vlaanderen hier een eerste vaccin hebben gekregen? Weet u hetzelfde over niet-Brusselaars die in Wallonië wonen en hier een eerste vaccin hebben gekregen? Weet u hoeveel niet-Brusselaars die in Vlaanderen wonen een tweede vaccin hebben gekregen? En hoeveel mensen er een tweede vaccin hebben gekregen hier, maar in Wallonië wonen? En tenslotte, wat gaat u ondernemen om een derde golf te voorkomen? Dank u, meneer Busselen. Het is nu de beurt aan mevrouw Sieltje van Achter voor haar vraag betreffende de stand van de vaccinatie tegen COVID-19. 19 in het Brusselse of stedelijk gewest in het licht van de recente cijfers. U hebt het woord, mevrouw Van Achter. Dank u wel, meneer de voorzitter. Beste minister, u zit in een kleine ruzie, het is misschien een groot woord, woordenwisseling vervat met minister Beke op de RTL. Zowel zegt u van ja, maar nee, wij hebben Vlamingen gevaccineerd. Wanneer meneer Beke zegt van ja, oké, maar dat is niet zo'n groot aantal. Weet je, minister, dat interesseert mij niet. Maar wat mij wel interesseert, zijn natuurlijk de Brusselse cijfers. En in Vlaanderen krijgen mijn collega's wekelijks een rapport van aantal pagina's
Met daar staan we, daar gaan we naartoe, dan komen de leveringen, zoveel vaccins, dan komen de 85-plussers, dan de 75-plussers, zo gaan we het aanpakken. En die info, die hebben we niet. Ik lees op Twitter dat er een vaccinatiebarometer is. Ik dacht, wauw, eindelijk Brusselse cijfers. Ik ga ze raadplegen. Dat is de vaccinatiebarometer. Dat. Twee cijfers. Dat is om te huilen. En dus wij vragen al weken om cijfers te krijgen, om transparantie. Wie komt aan de bod? Hoeveel zijn er ingeënt? Dat kan toch niet zo moeilijk zijn? Ofwel heeft u die cijfers niet, wat nog erger is, ofwel heeft u ze wel en wilt u ze ons niet bezorgen, wat ook erg is. Dus meneer de minister, wanneer gaat u eindelijk eens duidelijkheid geven over de toegediende vaccins, de vaccins in voorraad, de vaccins die we mogen verwachten? Wat is het tijdspad? Wie is er al uitgenodigd? Wie zal er nadien worden uitgenodigd? Hoe wordt die reservelijst aangesteld? Wat zijn ook uw bevindingen over de vaccinatiebereidheid van de Brusselaars? Komen de Brusselaars opdagen of niet? En hoe gaat u hierop inspelen? Allemaal vragen die onbeantwoord blijven. En ik waar ik graag toch een antwoord zou op willen krijgen, geachte minister. Dank u, mevrouw Van Achter. Je cède à présent la parole à monsieur De Bock. Merci, monsieur le président. Sujet très intéressant cet après-midi, récurrent même, on verra ce que dira le code, parce qu'en fait on est en concurrence avec le Codeco, alors je ne sais pas ce qu'on peut faire pour, mais donc laissez-moi encore 15 secondes pour retomber sur mes pattes, mais donc concrètement les différentes officines publiques d'après elles, et vous le savez, elles nous font le procès de vacciner deux fois moins vite que les autres. Mais j'ai bien entendu tout ce que vous nous avez dit. Vous nous avez dit on vaccine en réalité beaucoup de Bruxellois et de Wallons. Et je vous crois tout à fait. De Flamands et de Wallons qui travaillent en fait à Bruxelles et qui de facto sont vaccinés à Bruxelles. Et donc j'ai pris ce matin l'état de la vaccination. De la première dose, de la deuxième dose, 864 000, je vous l'ai transmis, en fait, je ne vais peut-être pas répéter tous les chiffres, mais j'ai fait finalement le différentiel entre, si nous étions 11%, nous sommes 11% de la population, si on vaccinait 11% des habitants, on devrait être à 94 000 doses, et donc il y a un différentiel de 36 000 doses sur la première dose et 20 000 sur la deuxième dose. Et moi, j'ai juste besoin de savoir, en fait, aujourd'hui, combien de non-bruxellois, en fait, on a vacciné à Bruxelles. Et si, en fait, ça colle, et si ça colle pas, ou si ça colle plus, en l'occurrence, et qu'on peut montrer que nous avons vacciné beaucoup plus de Flamands et de Wallons à Bruxelles, ce serait peut-être bien d'avoir une plateforme sur laquelle on peut, jour après jour, mentionner tous les chiffres des vaccinations, première dose, deuxième dose, et l'origine des gens que l'on vaccine. On serait à ce moment-là, on pourrait montrer que Bruxelles est la région la plus solidaire, de nouveau, et qu'elle peut effectivement répondre, et j'interpellerais Sienzano pour qu'ils adaptent leur graphique, pour également donner le graphique de la COCOM qui montrerait cette solidarité par les chiffres. Alors donc, je vous interrogeais sur cela. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur De Bock. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Merci pour vos différentes questions. D'abord, concernant la stratégie de vaccination sur l'AstraZeneca, plusieurs concertations et discussions ont eu lieu au niveau interfédéral pour étudier les cas identifiés d'effets secondaires avec le vaccin AstraZeneca et discuter de son maintien dans notre stratégie de vaccination. Des experts ont été consultés au niveau régional, fédéral, ainsi que diverses instances et groupes de travail, Task Force Vaccination, Conseil supérieur de la santé, Société internationale de thrombose et hémostase, etc. La balance bénéfice-risque était toujours positive selon nos experts et l'intérêt de santé publique de continuer à vacciner avec ce vaccin était nettement supérieur. Et donc nous avons décidé de continuer avec l'AstraZeneca tous ensemble en conférence interministérielle santé. En fait, ça n'a même pas fait l'objet de débat. Nous avons décidé ensemble de continuer à suivre l'expertise. Je pense que nous avons bien fait. Concernant l'ouverture des centres, cette semaine, 4 nouveaux centres ont ouvert, Molenbeek, Forest-Carbeek, Woluwe-Saint-Pierre. Ils ont été bien remplis cette semaine. Il y a un succès dû à leur proximité et leur accessibilité. Les échos de terrain sont dans l'ensemble bons, positifs. Moi-même et ou l'administration en ont visité plusieurs d'entre eux cette semaine. Des légères adaptations ont été apportées dans certains centres, mais globalement, les choses se passent bien ou très bien. La semaine prochaine, 3 nouveaux centres ouvrent dans les communes d'Uccle, Woluwe-Saint-Lambert et Anderlecht. Les plages de rendez-vous se remplissent et parallèlement, on continue à avancer dans les invitations des personnes âgées. On invite pour le moment des personnes jusqu'à 73 ans. Donc on est descendu dans les invitations aux personnes en dessous de 75 ans. Parallèlement, on développe des stratégies last minute pour les personnes éligibles à la vaccination actuellement mais qui n'ont pas encore reçu leur invitation.
et pour les personnes porteuses de facteurs de comorbidité. Les hôpitaux vont vacciner et vaccinent et vont continuer à vacciner des personnes qui souffrent de comorbidité sévère. C'est en route et ça le sera encore plus la semaine prochaine. Je tiens aussi à dire par rapport à ça que si vous regardez les statistiques Sien-Sano sur les vaccinations des personnes de plus de 75 ans, Bruxelles est très largement devant les autres régions. Très largement. C'est en ligne sur les stats de Sien-Sano, donc vous pourrez le constater. C'est en ligne, hein, vous pouvez le voir. Et ça, il n'y a pas de biais, puisque sur les plus de 75 ans, les données de vaccinettes sont sérieuses, puisque ce sont les personnes que nous avons invitées parce que ce sont les Bruxelloises et les Bruxellois, et puis ils sont encodés dans vaccinettes, et ce sont bien les Bruxelloises et les Bruxellois. Donc quand il n'y a pas de biais, on est en tête dans les statistiques, même par rapport aux autres régions. Je vais venir sur la suite. Concernant la situation dans les hôpitaux, voici les données transmises par mes services en date du 18, c'est-à-dire hier. Le nombre de vaccins administrés dans les hôpitaux, c'était 48 018. Des enquêtes sont en cours pour connaître la proportion de résidents non bruxellois. Parce qu'en fait, ces données, elles ne sont encodées nulle part au départ, hein, faut être clair. D'accord ? Puisque Vaccinette ne permet pas d'encoder par lieu de vaccination, il y a juste le lieu de domicile qui est encodé, mais on ne sait pas si c'est encodé à partir de tel ou tel hôpital. Donc ça ne vient pas automatiquement. On a dû demander des données complémentaires à tous azimuts. Ça montre qu'environ 55% du personnel vacciné dans les hôpitaux proviennent de la région flamande et de la région wallonne. 55% de ces 48 000, 018 000 doses. Le pourcentage du personnel vacciné dans les hôpitaux est de 78%. Les doses se répartissent comme suit. 30 712 pour la première dose, 17 306 pour la deuxième dose. 37 plus 17 plus les raouettes, ça fait bien 48 018. 30 712 plus 17 306. Laissez peut-être le ministre terminer. Et puis vous avez... 48 000 doses ont été administrées, dont 30 712 de première, 30 712 de première, 17 306 de deuxième. Donc effectivement, il y a un manque de transparence dans les données, vous avez raison. Je réclame depuis des semaines d'avoir des chiffres fiables qui sont issus de Vaccinette et de Sien-Sano et qui puissent refléter la réalité du travail exercé par nos centres et nos institutions. Je tiens quand même à dire aussi, pour être tout à fait clair et sans rentrer dans aucune polémique, que les chiffres flamands et wallons sont impactés positivement mais faussement par le biais bruxellois. Donc je comprends que M. Beek veuille minimiser le fait qu'on vaccine beaucoup de Flamands à Bruxelles, parce qu'en fait, ces chiffres sont surgonflés de manière artificielle. Toutes les dizaines de milliers de personnes qu'on vaccine à Bruxelles et qui sont domiciliées en Flandre et en Wallonie sont versées dans leurs statistiques alors qu'ils n'ont rien fait. C'est la réalité aussi. C'est comme ça. Mais donc, il n'y a pas de volonté en conférence interministérielle de remédier à ce problème, hein, pour être clair. Bruxelles est tout seul dans ce combat. Hein. Bruxelles est seule dans ce combat. Hein. Il faut être tout à fait clair. Hein. On dépend de nous-mêmes et on doit trouver les données nous-mêmes. Néanmoins, c'est vrai qu'on a insisté à plusieurs reprises, et sur le principe, tout le monde est d'accord, que c'est important de communiquer des chiffres fiables, et surtout, et ce travail est aussi en cours, qu'on ait le quota de vaccins suffisant pour les Bruxelloises et les Bruxellois, nonobstant le fait que nous vaccinons aussi massivement à Bruxelles des personnes qui résident en Flandre et en Wallonie. On travaille bien à mettre en place un dashboard le plus rapidement possible, mais on veut un dashboard qui soit donc en ligne, mais qui soit le plus fiable possible. Et pour le moment, on n'arrive pas à avoir des chiffres suffisamment fiables et stabilisés que pour mettre en ligne un dashboard comme cela. Donc je vous donne des chiffres ici, aujourd'hui au Parlement, qui sont les plus honnêtes possibles sur les hôpitaux, je vais vous en donner d'autres, mais mettre un dashboard comme ça, on n'a pas suffisamment stabilisé les chiffres, mais on continue bien à essayer d'avancer en lien avec Sien-Sano et la Task Force Vaccination, qui, pour le coup, a bien compris le problème. Hein. Personne ne nie qu'il y a un problème de fiabilité des chiffres à Bruxelles. Concernant les listes de réserve, on a mis en place une stratégie de last minute avec des listes de réserve pour les places disponibles et non réservées dans les centres de vaccination. On fonctionne toujours avec l'outil interfédéral Doppler, mais il n'a été opérationnel et réellement testé qu'hier. Avant ça, c'était un peu du bricolage dans chacun des centres de vaccination, même si les consignes étaient claires. On a passé un appel pour créer notre propre outil Last Minute bruxellois qui répondra mieux aux spécificités bruxelloises. Et ce marché est en passe d'être passé, donc ça devrait se mettre en route assez rapidement. Pour les non-bruxellois vaccinés dans les autres secteurs, sur base des données qu'on a reçues pour le moment, mais sous réserve de confirmation,
dans les maisons de repos, 4754 personnes non bruxelloises, à la police, 979 personnes non bruxelloises, dans la première ligne de soins, 13 068 personnes non bruxelloises, plus encore d'autres personnes, hôpitaux, métiers essentiels, etc. etc. Et pour les hôpitaux, si on regarde en fait par rapport au personnel vacciné, 25,7% résideraient en Flandre, 27,3% résideraient en Wallonie, 45,6% résideraient à Bruxelles et 1,4% ne seraient pas déterminés à ce stade. Et donc c'est ce que je vous ai dit, 54% des vaccinés dans les hôpitaux ne résideraient pas à Bruxelles, mais bien en Wallonie ou en Flandre. Par rapport au nombre de personnes invitées, on a invité pour les centres de vaccination, 111 312 personnes. Je l'ai dit, on est en train d'inviter les 73 ans et plus. Pour les 75 ans et plus, on a vacciné en première dose 24 528 personnes et en deuxième dose, 9 298 personnes. Concernant le nombre de vaccins utilisés cette semaine, d'ici la fin de semaine, on aura administré 14 000 Pfizer, 2729 Moderna et 9362 AstraZeneca. Ça, ce sont les chiffres de la semaine. On a un stock qui permet d'assurer les réservations déjà réalisées des 1 à 2 semaines à venir, mais aussi de garder la deuxième dose pour Moderna. Vous devez savoir qu'on ne reçoit très peu d'AstraZeneca cette semaine et encore très peu la semaine prochaine. Donc, on doit garder du stock pour être en capacité de vacciner au moins jusqu'à la prochaine livraison qui est attendue fin de ce mois, mais sans encore de certitude pour l'AstraZeneca. Et pour Moderna, on doit vraiment garder du stock aussi. Pour Pfizer, par contre, on essaye de réduire le stock à une semaine. Et donc, on essaye vraiment de travailler à une réduction autant que possible des stocks de vaccins dont on dispose pour accélérer la vaccination dans les centres. Concernant l'adhésion de la population et les mesures pour la renforcer, sinds 15 mars loopt er een bewustmakingscampagne over vaccinatie op Beeks 1 in Brusque. Durant de 3 weken worden een tv-spot en banners uitgezonden op de kanalen van de 2 media. Deze campagne is vooral gericht op bejaarde personen. Vanaf 15 maart bespreidt de gemeente Molenbeek bewustmakingsaffiches over vaccinatie in de bushokjes in de gemeente. Deze campagne richt zich vooral tot 65-plussers. De oproep voor vaccinatie is vertaald in 10 talen en is beschikbaar op de website coronavirus.brussels. Er is ook een brochure beschikbaar in 26 talen. J'ai aussi participé à différents webinaires via des publics cibles, notamment avec les cultes reconnus et la laïcité, mais encore d'autres. Deze week verspreiden we op Facebook 2 videocapsules met professeur Nathan Klumek en Jacques Mercier, influencers bij 65-plussers. En daarna met Helmut Lotti, een tv-spot van 10 seconden over vaccinaties vanaf 9 maart te zien op zenders RTL TV en RTBF. Voor de kwetsbare doelgroepen zal een zeer eenvoudige flyer met tekening en icons ter beschikking worden gesteld van de belangrijkste organisatie die armoede bestrijden, SAMU Sociaal, Médecins Sans Frontières, Rode Kruis enzovoort. Deze jullie de brochure verspreiden tijdens hun activiteiten op het terrein. Quand la population plus jeune pourra à son tour se faire vacciner, il y aura des photo-halls dans les centres de vaccination pour favoriser la prise de selfies et faire en sorte qu'on transforme les personnes vaccinées en ambassadeurs de la vaccination. Il y a plein d'actions aussi qui sont lancées via les mutuelles, etc. Je ne peux pas vous les détailler. Non, je comprends. Et maintenant, le temps est dépassé. Bon, voilà. Désolé, j'ai encore beaucoup de pages de réponse. Oui, non, je comprends, mais voilà. Est-ce qu'on peut avoir une copie, par contre ? Oui, monsieur le ministre. Si le ministre est d'accord, moi, je n'ai pas de souci. Mais ce sont des notes, donc je ne peux pas vous les donner en copie comme ça. Donc, posez une question écrite et je vous donnerai tous les chiffres que vous voulez. Et par ailleurs, on essaye de faire en sorte de vous donner les chiffres dans les rapports que vous recevez toutes les 2 semaines, d'intégrer au maximum les chiffres qui sont liés à la vaccination. On n'a rien à cacher par rapport aux chiffres qui sont liés à la vaccination. Donc, on veut les intégrer dans les rapports que vous recevez toutes les 2 semaines. Je vous remercie, M. Marron. Je cède donc la parole aux différents intervenants pour une courte réplique, j'insiste. Nous avons vote tout à l'heure et il y a beaucoup de votes. Madame Plovy.
Oui, mais merci. Alors, je vous remercie pour votre réponse et on voit bien tous les efforts qui sont portés par le Collège Réuni et par la COCOM. C'est clair que le défi est énorme et donc nous vous encourageons à poursuivre et amplifier cette communication. Hein. Vous vous expliquez justement par rapport aux selfies et la possibilité pour les citoyens et citoyennes d'être ambassadeurs, ambassadrices. Donc voilà, je pense que c'est important de pouvoir informer, de pouvoir rassurer et de poursuivre cette vaccination. Je vous remercie. Merci, Madame Plovy. Madame Bertrand. Merci, Monsieur le Ministre. Voilà, vous l'aurez compris, il y a tout de même une fierté bruxelloise, hein, et quand ça n'est pas fondé, nous n'aimons pas le Bruxelles bashing. Donc, je ne Bravo. peux que vous inviter à maintenir une transparence sur les chiffres, c'est la clé de la réussite, et par ailleurs, vous encourager à ce que la vaccination avance, quelle que soit la situation en Flandre et en Wallonie. Pour cela, il faut qu'il n'y ait pas de doses perdues. J'espère qu'il y a un système transparent et clair qui est mis en place pour les situations où des doses sont restantes et où tout le monde n'a pas répondu aux convocations. Et si nous arrivons à démontrer que nous atteignons nos objectifs à Bruxelles et que nous avançons dans chaque phase, je pense que ce sera du win-win, que nous soyons majorité ou opposition. Je vous remercie. C'est clair. Merci, Madame Bertrand. Meneer Busselen. Dank u, meneer de voorzitter. Ja, u komt te laat met deze cijfers, hè. U had van in het begin moeten weten dat er meer vaccins zouden moeten zijn wanneer een deel van het personeel van de zorg en politie hier zou worden gevaccineerd. En het gevolg is dat Brussel permanent achterop zal hinken als de andere regio's niet solidair willen zijn. U hebt het over een dashboard, maar we zijn al 3 maanden ver in de vaccinatiecampagne. En ten tweede, er zijn nog steeds mensen die opgeroepen worden en niet komen opdagen, omdat de oproep naar een fout mailadres wordt gestuurd, omdat mensen de mail niet krijgen en zo verder. Om heel veel verschillende redenen. En dus de vraag is: om hoeveel personen gaat het? En welke oplossingen biedt u deze mensen ook aan? Et donc, dernier truc, vous savez que M. Mark Noppen de l'UZ a comparé la Belgique avec une crêpe. Trop de niveaux de pouvoir, mais trop peu de décisions cohérentes et une politique qui court derrière les faits. Et donc, ben, je pense aussi à Bruxelles. Au niveau du suivi des personnes âgées et des personnes à risque, il y a un manque de coordination régionale. Et donc, il manque, je trouve aussi, c'est ce dernier point, on a besoin d'un état de lieu semaine par semaine, des chiffres clairs, car dans une situation de crise, on est dans le rouge, mais je n'ai pas ce sens d'urgence ici. Merci, Monsieur Busselen. Mevrouw Van Echter. Dank u wel. Meneer de minister, het is natuurlijk uw verantwoordelijkheid, uw taak om achter die cijfers te gaan en die cijfers ook bekend te maken. En ja, weet je, dat opbod, dat ruzietje, u bent er nu zelf ook de helft van de tijd van uw uiteenzetting op ingegaan, daar winnen we niet mee. Wat willen wij als Brusselaar weten? Of dat georganiseerd is, of dat vooruit gaat, of dat de vaccins ertoe komen. En die informatie is gewoon nog veel te weinig duidelijk. U moet daar één verzamelen. Twee, ook duidelijk communiceren naar de bevolking toe. Het gaat niet alleen over het communiceren naar het parlement toe, het gaat ook over het communiceren naar de bevolking toe. Als die vaccinatiebarometer 2 cijfers heeft, het recentste van 12 maart, dat is een week geleden, en dat is niet serieus. Dus ik roep u echt op om duidelijker te zijn, achter de cijfers aan te gaan en die ook proactief te communiceren. Zijn er problemen? Het aan te pakken. En dus dat willen we zien. We willen zien dat er iemand een leider is die het aanpakt, die zich achterzet, die op tafel klopt, die er werk van maakt. En het is dat we niet zien. En dat is jammerlijk, want het is echt nodig. Die vaccinatie is ons ticket naar een vrijer Brussel, hè. Dus dat is echt waar we willen, waar we werk van moeten maken. En Oké, ik roep mevrouw u Van op Echter. om uw verantwoordelijkheid daar te nemen. Dank u, mevrouw Van Echter. Monsieur de Bock. Oui, monsieur le ministre, merci pour vos réponses. Je ne me trompe pas, mais c'est la première fois en séance publique qu'on a ce fameux chiffre de 55% de, hein, c'est la première fois, c'est important, et qu'on a un chiffre réel des doses, 48 000, donc 30 000 et 700 et 17 000 première et deuxième dose, ce qui fait 48 000 doses que nous prenons à notre charge sur les 864 000 dans le pays qui ont été faites en première dose et 400 et des 1 000 en deuxième dose. Ce qui veut dire que par rapport au chiffre que je vous donnais tout à l'heure, 56 000, 48 000 pour Monsieur Marron, 56 000 par rapport à la réalité, on est à moins d'1%. On est bon. On est bon. Et comme vous le dites, il y a peut-être d'autres biais. Exemple, il y a peut-être des Bruxellois qui se sont fait, eux, vacciner dans un hôpital flamand
ou dans un hôpital wallon s'ils travaillent, par exemple, à Braine-l'Alleud. Il y a des Bruxellois, des médecins bruxellois aussi qui travaillent aussi en Wallonie. C'est peut-être beaucoup plus marginal, mais je trouve que ça devrait être pris en compte. Moi, je voudrais qu'on arrête le bashing sur Bruxelles. Et c'est important que ce chiffre-là, vous le communiquiez, que vous le communiquiez tout de suite, parce qu'on est mauvais, en fait, au niveau de la com. Cette donnée-là, ou cette appréhension-là, on savait que les néerlandophones allaient sans doute sauter sur l'occasion. Et il faut maintenant donner à Cienciano et l'obliger à pouvoir publier les bons chiffres avec cet astérisque expliquant. Okay. Et puis, la dernière chose, exiger les 48 000 doses que nous avons données aux Flamands et aux Wallons, de les avoir pour pouvoir vacciner nos Bruxellois. Okay. Ce n'est pas normal que nous n'ayons pas ces 48 000 doses. Merci beaucoup, M. De Bock. Les chiffres que vous venez de repréciser, c'est bien juste pour les hôpitaux. Il y a aussi du personnel wallon et flamand qui a été hospitalisé hors hôpitaux, notamment à la police, les maisons de repos, etc. Donc il y a des chiffres supplémentaires, ça c'est une chose. Récupérer les doses, c'est ce qu'on essaye de faire au maximum et de plaider en ce sens maintenant. Si on vous a donné les chiffres aujourd'hui, c'est parce qu'on a interrogé les hôpitaux et qu'on a reçu les chiffres seulement maintenant. Monsieur Busselen, par rapport aux personnes qui ne se présentent pas, on a des actions de recall de ces personnes en fait. Si elles ne se présentent pas au centre de vaccination, qu'elles ne prennent pas rendez-vous, il y a une stratégie de rappel par le call center pour essayer de voir pourquoi ces personnes ne veulent pas se faire vacciner et si on est sûr qu'elles ne veulent pas avoir un rendez-vous. Merci, M. Marron. L'incident est clos. Ceci clôture notre séance de questions d'actualité de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. Je suspends la séance de l'ARCC et je réouvre la séance du PRB. Alors, petite communication. Le scrutin secret en présentiel s'étant clôturé à 15h30, j'ai clôturé le scrutin secret et j'ai proposé que nous commencions le dépouillement du vote sous mon contrôle et celui des services. Ça nous permettra, vous l'avez compris, de gagner du temps tout à l'heure par rapport au vote, et je proclamerai donc les résultats au début de la séance du vote. Alors, nous passons à présent à la séance de questions d'actualité de la région de Bruxelles-Capitale. Nous allons commencer. We beginnen met mevrouw Hilde Sab voor haar vraag aan mevrouw Barbara Traag betreffende aankondiging van de tetrapremie en steun aan de Brusselse horecasector. Mevrouw Sab, u hebt het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. Mevrouw de minister, daar straks is al gesproken over de situatie van de horeca, dat voor die penibele situatie de vaccinatie uiteindelijk de grote oplossing is. En ik sluit mij daar absoluut bij aan. Maar er zijn natuurlijk nog wel andere middelen die soelaas kunnen brengen voor de Brusselse horeca die heel zwaar afziet. Na twee forfaitaire premies is er nu de tetrapremie met de beloofde verhoging van 25%. Naar gelang de omzetdaling en het aantal werkkrachten zou de steun schommelen tussen de 6.250 en 45.000 euro. Die premie geldt voor restaurants, cafés, toeleveranciers, toeristisch logies, evenementen, cultuur en toeristische sector en discotheken. Op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid staat dat ondernemers vanaf april 2021 de premie kunnen aanvragen. Bij veel zaken staat nochtans het water aan de lippen. Vaste kosten zoals de huur blijven doorlopen en sommigen dreigen de volgende maand amper te halen. Maar goed, positief is het dan dat de premie een week na het indienen van het dossier toegekend kan worden. Wij stellen binnenkort graag de vraag of die snelheid gerespecteerd kan worden. Want horeca heeft nu hulp nodig voor de facturen die zich blijven opstapelen. Daarbij komt dat niet alle bedrijven die rechtstreeks toeleveranciers zijn van de horeca opgenomen zijn in de lijst van de bedrijven die de premie kunnen aanvragen. Het klopt dat het budget van dit gewest al onder druk staat en dat de noden door de crisis zeer groot en divers zijn. Veel economische sectoren lijden verlies. Er zijn veel ongewenste bijkomende werklozen, zoals in de cultuursector. Extra budget is nodig voor de toegenomen armoede. En uiteraard voor de immense uitdagingen waar de zorg voor staat. Maar toch, Het kan frivool lijken, maar we mogen de waarde van de Brusselse cafés, de restaurants en het uitgangsleven voor de ziel van deze stad niet onderschatten. Vandaar mijn vragen. Heeft u zicht op het huidig aantal faillissementen in de betrokken sectoren? Wat zijn de prognoses eens de steun en andere beschermende maatregelen aflopen? Hoe groot is de gemiddelde steun waarop Brusselse restaurants en cafés sinds het begin van de crisis hebben kunnen rekenen? En zijn er updates mogelijk voor toeleveranciers
leveranciers van horecabedrijven die nog niet opgenomen zijn in de lijst van ondernemers die de premie mogen aanvragen. Dank u. Dank u, mevrouw Sabbe. Monsieur Kazi, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Est-ce qu'on m'entend correctement? Parfaitement. Parfait, je vous remercie. Alors, madame la secrétaire d'État, c'est vrai que, comme on disait précédemment, si le vaccin est évidemment la solution sur le long terme pour pouvoir réouvrir l'ensemble de nos commerces et de nos activités économiques, il est évident qu'aujourd'hui, on est dans une situation où les aides financières sont absolument essentielles. Les secteurs dits non essentiels, je ne sais pas comment les appeler autrement, malheureusement, même si ce nom est fort peu à propos, ont manifesté à travers la tenue d'une opération escargot ce 16 mars parce qu'ils sont tout simplement épuisés et désespérés. Alors c'est vrai que souvent on peut comparer les primes bruxelloises par rapport à primes wallonnes ou flamandes et se dire que d'autres régions ont reçu parfois plus, mais on doit aussi pouvoir considérer ici que nous avons fait un grand bond en avant avec la prime Tetra. 111 millions d'euros sont annoncés et je crois d'ailleurs que pour beaucoup des acteurs économiques concernés, finalement, l'enjeu n'est pas tant de savoir s'ils recevront plus ou moins que leurs voisins flamands ou wallons, mais c'est surtout de savoir quand est-ce qu'ils le recevront et d'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a eu un tel délai entre les premières annonces de votre cabinet, madame la ministre, sur cette prime et finalement sa mise en œuvre. Alors, on sait que, et on se réjouit évidemment des montants, on sait aussi que Horeca, ce sera donc une prime qui est plus importante que la précédente. Je crois que ce sera aussi sujet à rassurer tout le monde, mais ils l'attendent avec effectivement énormément d'impatience et on peut les comprendre. Pour beaucoup, ils sont arrivés au bout de ce qu'ils savent supporter en termes de trésorerie et il me semble absolument essentiel maintenant de la mettre en œuvre. Alors j'en viens à mes trois questions. Je voudrais savoir comment est-ce qu'on peut expliquer ce délai entre les premières annonces et la concrétisation de ces primes, quels seront maintenant les délais pour les versements, est-ce qu'ils seront tenus? Pouvez-vous nous exposer un calendrier précis, effectivement, pour les prochaines semaines? Je crois que c'est essentiel. Quels sont les principaux obstacles à un versement rapide de cette prime Tetra? D'accord. Et puis enfin, je termine là-dessus, Monsieur le Président, on sait que cette prime Tetra avait la volonté d'indemniser des pertes pour 2020, mais l'année 2021 a déjà commencé. Et je voulais donc savoir comment est-ce qu'on envisageait les 4 mois supplémentaires de 2021. Je vous remercie. Merci, Monsieur Cazier. Madame Lefranc. Merci, Monsieur le Président. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Je vais essayer de ne pas revenir sur les mêmes éléments. Et effectivement, donc, Madame la Secrétaire d'État, plusieurs collectifs de secteurs directement touchés par la crise ont mené cette opération ce lundi 15 mars. Un rassemblement était d'ailleurs prévu au pied de l'Athénium. L'action avait pour but d'attirer une nouvelle fois l'attention des autorités sur la situation de grande détresse des secteurs de l'horeca, de l'événementiel, des forains, des traiteurs, des food trucks ou encore du monde de la nuit. Alors, les collectifs demandaient concrètement au pouvoir public qu'ils prennent conscience de la disparité des aides et qu'ils se rendent compte des sacrifices consentis pour sauver des vies. C'est dans cette optique que je souhaite vous poser les questions suivantes. Alors, les organisateurs demandent des indemnités à hauteur de 15% du chiffre d'affaires, soit l'équivalent de ce qui est octroyé en Flandre, car Bruxelles est toujours à la traîne et nous le savons. Si on prend un exemple de l'horeca, au niveau des aides à Bruxelles, nous sommes toujours bloqués à 7 000 euros, tandis qu'en Wallonie, il s'agit de 16 500 et en Flandre de 40 000. Alors ces chiffres ont été annoncés dans la presse et au-delà de nous répondre que la prime Tetra a été étendue le 15 mars, où pouvez-vous répondre aux centaines d'indépendants qui sont venus manifester leur désarroi lundi par rapport à leur situation et aux disparités énormes qui existent entre les aides régionales? Alors, l'un des organisateurs de la manifestation, Karl de Montchelin, patron de bar et figure de la fête à Bruxelles, demandait aux gouvernements régionaux et au fédéral d'accorder leur violon au niveau des aides pour stopper finalement cette inéquité injuste et injustifiée. Alors, pouvez-vous nous préciser si des discussions tiennent lieu avec les autres niveaux de pouvoir au sujet de ces disparités? Est-ce qu'une coordination est-elle possible? Je vous remercie. Merci, Madame Lefranc. Madame la ministre, Madame Tracht, vous avez la parole. Oui, je vous remercie, Mesdames et Messieurs les députés, pour vos questions. Je voudrais tout d'abord, au nom de l'ensemble du gouvernement, confirmer que, comme vous,
Nous comprenons pleinement, nous prenons la mesure du désarroi de ces secteurs, de ces personnes qui travaillent dans des activités qui sont bien, bien réelles, qui créent notamment de la convivialité à Bruxelles, mais aussi qui créent aussi de l'emploi et font vivre de nombreuses familles. Et nous comprenons aussi le sentiment d'injustice qu'ils peuvent ressentir à l'égard de la situation globalement, de l'incertitude qui pèse sur nous, mais particulièrement sur eux et sur la survie de leur activité, et aussi sur les différences entre les niveaux de primes. Je voudrais rappeler l'effort massif du gouvernement bruxellois pour soutenir tous ces secteurs. Depuis un an, ce sont plus de 700 millions d'euros qui ont été dégagés pour soutenir via des primes, mais aussi via d'autres mécanismes, les secteurs en grande difficulté, 700 000 en lieu et place des 30 millions habituels et des 5 000 primes qui sont octroyées annuellement. Over the toekomstige faillissementen, er geldt momenteel een feitelijk moratorium op faillissementen voor fiscale en sociale schulden. Maar om een beter inzicht te hebben, zijn we in samenwerking aangegaan met Graydon. Het doel is de financiële behoeften van ondernemingen in het Brussel-Hoofdstedelijk Gewest in deze fase van de crisis te analyseren. Die analyse wordt onderverdeeld per sector en bedrijfsgrootte. Donc une analyse qui est en ce moment en cours. Over de steun die sinds het begin van de crisis voor deze sectoren beschikbaar is gesteld, om een spreektijd te respecteren, verwijs ik u voor meer uitleg naar de verschillende antwoorden die in de commissie zijn gegeven. Maar de steun wordt verleend in verschillende vormen. Eerst door premies, de eenmalige van en voor de RECA-sector premie. Dat is tot nu toe 7000 euro. Dat was voor de Tetra-premie. Door leningen, met de gedelegeerde opdracht aan Finance and Invest. Door de RECOVER-lening, oxygen-lening en de proxy-lening. Hallo. Il y a quelqu'un qui doit couper son micro. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, chers collègues, à distance? Parce qu'il y a sans doute quelqu'un qui feuillette des feuilles et c'est très désagréable. Est-ce qu'on peut couper les micros de ceux qui sont à distance avant les répliques? Messieurs de la technique, est-ce qu'on peut couper les micros? Merci. Hein. Oui, super, merci. Zo, de leningen, de solvabiliteitsfonds van 40 miljoen, dat in plaats komt van de gedelegeerde opdracht die ten einde loopt, en de steun bijvoorbeeld via crowdfunding. Mais l'aide évidemment la plus immédiate et la plus attendue aujourd'hui pour soutenir la trésorerie est bien la prime Tetra. Alors je voudrais vous indiquer que la construction d'une prime variable, c'est ce que vous avez demandé, notamment à travers les travaux de votre commission spéciale, mais c'est aussi ce que les secteurs nous ont demandé, la construction d'une prime variable, la concertation qui est afférente à une telle prime, prend plus de temps. Elle prend plus de temps, d'autant plus qu'on est face à des secteurs qui sont différents. Il y a les restaurants et les cafés, il y a aussi le secteur de l'événementiel, avec des entreprises qui sont aussi très, très différentes dans leur nature et dans leurs activités, ou même dans leur manière de générer du chiffre d'affaires. Il y a les hôtels et il y a le secteur de la nuit. Ce sont des secteurs qui sont tous différents, et au sein même de chacun de ces secteurs, il peut y avoir des activités très, très différentes. Donc ceci prend du temps, et ça prend a fortiori encore plus de temps quand des données extérieures changent, comme ça a été le cas suite au dernier comité de concertation qui a annoncé la réouverture des cafés et des restaurants au mieux début mai. Et donc, suite au dernier comité de concertation, nous avons donc adapté les intentions que nous avions et augmenté le montant des primes Tetra en les majorant de 25% pour chacune des catégories, ce qui nous amène à un budget total de 111 millions d'euros. Mais donc pour vous décrire les montants par secteur, vous aurez pour les restaurants et les cafés des primes qui iront de 6 250 euros à 45 000 euros. Pour l'événementiel, ce sont les mêmes montants, 6 250 euros à 45 000 euros. Pour les hôtels, 6 250 euros à 62 500 euros. Et pour le monde de la nuit, de 75 000 euros à 125 000 euros. Les montants varieront en fonction
du nombre d'équivalents temps plein et de la perte de chiffre d'affaires, perte de chiffre d'affaires qui sera calculée dans des fourchettes enfin, à partir d'une perte de chiffre d'affaires de 40%, et un deuxième palier sera pour ceux et celles qui ont perdu plus de 60% de leur chiffre d'affaires. Nous avons également inclus le secteur du sport, donc des entreprises actives dans le secteur du sport. L'arrêté a été adopté en première lecture la semaine dernière au gouvernement. Nous sommes dans l'attente de l'avis du Conseil d'État et donc de Bru Partners. Nous espérons les recevoir la semaine prochaine. Ensuite, nous prendrons compte les avis et nous effectuerons les modifications nécessaires le cas échéant. Et nous espérons pouvoir mettre en œuvre, rendre la prime disponible au début du mois d'avril. Je le rappelle, nous faisons un travail en amont pour pouvoir... Notre objectif, c'est le versement le plus rapide possible des primes. Et donc, nous travaillons en amont pour avoir un système informatique qui soit le plus automatisé possible, de manière à verser les primes le plus rapidement possible une fois que les dossiers seront introduits. C'est ça qui guide notre action dans les développements informatiques qui seront nécessaires. Voilà, Monsieur le Président, pile poil. Merci, Madame Trac, pour votre réponse. Alors, mevrouw Sabbe, vous avez une courte réaction? Heel erg bedankt, mevrouw de staatssecretaris, voor het antwoord. En ik ben heel blij dat ik bij u dezelfde urgentie voel om de horeca echt een helpende hand toe te reiken en het geld, het benodigde, zo nodige geld, zo snel mogelijk te geven. Dank u. Dank u, mevrouw Sab. Monsieur Cazier m'a indiqué qu'il ne souhaitait pas répliquer. Madame Lefranc. Oui, une courte réplique. Je comprends tout à fait, Madame la secrétaire d'État, que les données changent et il faut pouvoir adapter. Et que c'est vrai que les décisions du Codeco peuvent venir changer un processus d'élaboration d'une nouvelle prime. Mais je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, les délais sont totalement intenables, les gens sont dans un gouffre, et leur dire qu'au moment où ça a été annoncé le 21 janvier, que peut-être ils peuvent espérer un paiement, parce que vous dites que ça sera possible de rentrer le dossier début avril, mais qu'ils pourraient peut-être être payés ou recevoir un montant fin avril, ça fait 3 mois d'attente, c'est trop. Ces gens comptent en jours, en semaines, mais pas en mois. Donc c'est totalement intenable. Je comprends qu'il y a un effort qui a été fait budgétaire et le CDH le reconnaît, mais ça reste insuffisant et vous le savez. Alors, mais quid aussi de 2021, parce que là on parle des pertes de 2020, mais personne n'a encore parlé des pertes de 2021 et quelles vont être les solutions proposées pour un secteur qui est déjà à la limite du supportable. Je vous remercie. Merci Madame Lefranc. Ceci clôture notre séance de questions d'actualité du Parlement régional bruxellois. Alors, chers collègues, avant de passer au vote, je veux encore m'assurer, dernier appel à ceux qui auraient peut-être oublié, de se connecter via le lien et de faire le test vote. J'espère que tout le monde l'a fait. Je vais donc appeler au vote. Je laisse quelques minutes pour que chacun puisse s'installer. Je vais suspendre la séance 1 ou 2 minutes, le temps que chacun puisse vérifier que tout est OK. Et puis, nous allons démarrer le vote.
Chers collègues, nous allons procéder au vote. Avant de démarrer le vote proprement dit, comme je vous l'avais dit, nous avons procédé au dépouillement des bulletins de vote pour le scrutin secret en vue de désigner des membres effectifs de la commission de contrôle bruxelloise. Et donc, je vais proclamer les résultats. Alors, 70 voix ont été émises, 9 votes blancs et nuls, 61 votes valables. Sont retenus, alors, M. Franck Dumortier comme juriste, M. Jean-Pierre Heymans comme responsable de gestion de données, M. Alain Copis comme informaticien et M. Éric Dortona comme personne responsable des gestions des données. Donc, M. Dumortier, M. Heymans, M. Copis et M. Dortona ont donc été désignés par le Parlement bruxellois. Nous procéderons ultérieurement au vote sur les suppléants. Ceci étant fait, notre ordre du jour. Alors, l'ordre du jour appelle le vote nominatif sur l'ensemble du projet d'ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération du 7 septembre 2018 entre l'État fédéral, la région flamande, la région wallonne, la région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de plusieurs dispositions du protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance, relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique avec annexe signée à Göteborg le 30 novembre 1999 tel que modifié le 4 mai 2012 à Genève, document A309 1 et 2. Nous passons au vote sur l'ensemble du projet d'ordonnance. Quelqu'un demande-t-il la parole pour une explication de vote? Non. Il est procédé au vote. Monsieur le Président, je vote pour, mais je n'arrive pas à me connecter. À qui ai-je l'honneur? C'est Clémentine Barzin, pardon. Ah, je, Madame Barzin. Mais je n'arrive pas à me connecter. Si d'accord. Ben, réessayez, on va ajouter voilà. Votre vote. Donc, et, Madame monsieur, Barzin. Idem. Pardon, attends. Idem de mon côté, Marie Lecoq. Oui, oui, OK. Donc, on rajoute en vote positif. Voilà, Madame Barzin est indiquée. Madame Lecoq, on rajoute. Madame Potier, je vois, également. Monsieur Cazier, également. Est-ce qu'ils peuvent se manifester? Juste dire OK. Est-ce qu'on m'entend? Madame Potier, vous m'entendez? Bon, donc ils ne sont pas là, ce n'est pas grave. Je regarde si Madame Bertrand a bien été enregistrée. Il faut rajouter Madame Bertrand. Voilà. Fin du vote. Alors, 82 membres ont pris part au vote, 81 oui, 0 non, 1 abstention. En conséquence, le Parlement adopte le projet d'ordonnance qui sera soumis à la sanction du gouvernement. L'ordre du jour appelle le vote nominatif sur l'ensemble du projet d'ordonnance portant assentiment à l'accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République fédérale du Brésil relatif aux services aériens, fait à Bruxelles le 4 octobre 2009, document A244 1 et 2. Nous passons au vote. Quelqu'un demande-t-il la parole ? Il est procédé au vote. Début du vote. C'est de nouveau Clémentine Barzin. Même chose, s'il vous plaît, Monsieur le Président, je vote pour. On rajoute donc Madame Barzin au vote positif. Madame Genot, est-ce que vous m'entendez ? Oui. Chacun a-t-il vérifié son vote? Fin de vote. Monsieur le Président. Oui. C'est parce que cette fois-ci, ça a marché pour moi. Oui, c'est bon. Pour le vote précédent, je n'ai pas réussi. C'est pas grave. Il y a tellement de votes que ça n'aura pas d'incidence. Merci beaucoup. Je reçois un message sur le chat. Madame Potier m'envoie un message en me disant... Excusez-moi, je vote comme mon groupe. Oui, j'étais en train de dire que vous veniez de m'envoyer un message sur le chat et vous votiez positivement. Donc, on vous inscrit. OK, fin de vote. 84 membres ont pris part au vote.
0 non, 1 abstention. En conséquence, le Parlement adopte le projet d'ordonnance qui sera soumis à la sanction du gouvernement. Alors, chers collègues, nous avons 17 votes identiques jusqu'au vote avant l'Arménie. Est-ce que vous êtes d'accord que nous fassions même vote pour l'ensemble des textes qui nous sont soumis ? Oui, Monsieur le Président. Parfait. Parfait. Donc, même vote jusqu'au vote 18. Oui, et nous reprenons avec le 19. Non. Nous reprenons donc avec le vote numéro 19, donc projet d'ordonnance portant assentiment à l'accord entre le Royaume de Belgique et la République d'Arménie sur l'exercice des activités à but lucratif par des membres de la famille du personnel de mission diplomatique et de poste consulaire signé à Bruxelles le 4 décembre 2018. C'est le document A26 1 et 2 2020-2021. Alors, y a-t-il des demandes d'explication de vote ? Non, il est procédé au vote. Début du vote. On est au vote sur l'Arménie, le vote 19. Chacun a-t-il bien vérifié son vote ? Vincent ? Parfait. Monsieur Tali ? Tout le monde a-t-il voté ? Chacun a-t-il vérifié son vote ? Fin de vote. Virma, 84 membres ont pris part au vote. 83 oui, 0 non, 1 abstention. En conséquence, le Parlement adopte le projet d'ordonnance qui sera soumis à la sanction du gouvernement. L'ordre du jour appelle le vote nominatif sur les conclusions de la commission tendant au rejet de la proposition d'ordonnance de Mme Durcel-Wetzmann et Mme Barzin. C'était Monsieur Wetzmann et Madame Barzin, relative aux livraisons de marchandises nocturnes. Documents A75, 1 et 2. Nous allons passer au vote sur les conclusions de la commission. Alors, petit rappel, mais vous le savez, ceux qui sont pour le rejet de la proposition de résolution votent oui, puisque les conclusions de la commission en proposent le rejet. Début du vote. Meneer de voorzitter, er is een klein probleempje, maar ik stem ook voor. Oké, on rajoute madame Stoop en vote positif. Dank u mevrouw Stoops. Chacun a-t-il vérifié son vote ? Fin du vote. Quatre-vingt-cinq membres ont pris part au vote, 59 oui, 25 non. Une abstention. En conséquence, le Parlement adopte les conclusions de la commission tendant à rejeter la proposition d'ordonnance. L'ordre du jour appelle le vote nominatif sur les conclusions de la commission tendant au rejet de la proposition de résolution de Mme Durcel, M. Wetzmann, M. Commence de Brachen relative à la mise en place d'un système connecté de récolte de données sur les voiries régionales permettant une gestion active du trafic à l'aide de feux, de signalisation intelligent et de panneaux d'information visant plus de sécurité et plus de fluidité. Documents A84 1 et 2 2019-2020. Nous allons passer au vote sur les conclusions de la commission. Donc c'est comme tout à l'heure, ceux qui sont pour le rejet votent oui. Début du vote. Chacun a-t-il vérifié son vote ? Fin de vote. 85 membres ont pris part au vote, 49 oui, 25 non, 11 abstentions. En conséquence, le Parlement adopte les conclusions de la commission tendant à rejeter la proposition de résolution.
Aan de orde is de naamstemming over het besluit van de commissie tot verwerping van het voorstel van resolutie van de heer Weitzman, Durcel en mevrouw Latifa Aïd-Bala, hertoe strekkende de mogelijkheid van dynamische tarifering bij de MIVB te onderzoeken, nummer A239.1 en 2. Wij gaan over tot de stemming over het besluit van de commissie. Vraag iemand het woord voor een stemverklaring? Donc c'est comme tout à l'heure, ceux qui rejettent votent oui. Début du vote. Chacun a-t-il vérifié son vote? Fin de vote. On the holding. OK. Meneer Kenis, il faut rajouter Monsieur Kenis qui s'abstient. Oui, mais j'ai voté abstention, c'est juste... Ah oui, ok, je croyais que vous n'aviez pas été intégré. Si, si, si. Avec c'est le masque, je n'avais pas vu. Désolé. Attendez que je proclame les résultats et vous expliquez pourquoi vous vous abstenez. Alors, 85 membres ont pris part au vote, 68, 24 non, une abstention. En conséquence, le Parlement adopte les conclusions de la commission tendant à rejeter la proposition de résolution. Monsieur Kenis, qui s'est abstenu, souhaite faire connaître les motifs de son abstention. Tout à fait. Merci, Monsieur le Président. Ik wil gewoon even benadrukken, ik heb daarnet inderdaad dat burgerpanel mobiliteit aangehaald dat hier is gebeurd, dat ook een dynamische tarifering voorstelt. Dat ging echter over een aantal andere elementen dan in deze resolutie worden voorgesteld. Donc je me suis abstenu parce que, voilà, même si la tarification dynamique est proposée aussi par ce panel délibératif, les manières sont pas les mêmes et donc je me suis abstenu. Merci. Merci, Monsieur Kenis. Aan de orde is de naamstemming over het besluit van de commissie tot verwerping van het voorstel van resolutie van mevrouw Bianca de Baats, mevrouw Aïd-Bala, mevrouw Lefranc en mevrouw Oostraat betreffende de organisatie van een Brusselse dag ter promotie van de diversiteit en ter bestrijding van discriminatie, nummer A224-1 en 2. We gaan over tot de stemming over het besluit van de commissie. Vraag iemand het woord voor een stemverklaring? Même chose, ceux qui sont contre votent oui. Début du vote. Chacun a-t-il vérifié son vote? Heeft iedereen zijn stemming nagekeken? Einde van de stemming. Adopté. 84 membres ont pris part au vote. 50 ja, 21 nee, 13 onthoudingen. Bijgevolg neemt het parlement het besluit van de commissie strekkende tot het verwerpen van het voorstel van resolutie aan. L'ordre du jour appelle le vote nominatif sur les conclusions de la commission tendant au rejet de la proposition de résolution de Madame Frémaux, M. Compagny et M. De Beukelaar relative au survol de Bruxelles. Document A149.1 et 2. Nous passons au vote sur les conclusions de la commission. Quelqu'un demande-t-il la parole? Début du vote. Tout le monde a-t-il voté? Tout le monde a-t-il vérifié son vote? Fin de vote. 83 membres ont pris part au vote, 51 oui, 7 non, 25 abstentions. En conséquence, le Parlement adopte les conclusions de la commission tendant à rejeter la proposition de résolution. Nous avons encore un vote à la RCC. La séance plénière du Parlement de la région de Bruxelles-Capitale est close. Je réouvre la séance de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. Alors, l'ordre du jour appelle le vote nominatif sur la proposition de constituer une commission délibérative composée de 45 citoyens tirés au sort et de 15 députés de la Commission de la Santé et de l'Aide aux personnes chargée de formuler des recommandations sur la thématique suivante. La région de Bruxelles-Capitale compte au moins 5 313 personnes sans abri et mal logées.
Quelles mesures voulons-nous prendre pour résoudre durablement cette situation? Quelqu'un demande-t-il la parole pour une explication de vote? Il est procédé au vote. Début du vote. Chacun a-t-il vérifié son vote? Fin du vote. C'est bon. 83 membres ont pris part au vote. J'ai 83 oui, 0 non, 0 abstention. À l'unanimité, l'Assemblée réunie adopte la proposition de constituer une commission délibérative composée de députés et de citoyens tirés au sort. Chers collègues, la séance plénière de l'Assemblée réunie... Monsieur le Président, désolé d'interrompre, c'est Vincent ici. Oui, sur le dernier vote précédent, je devais m'abstenir et j'ai voté contre. Vous pouvez le corriger, ce serait sympa. Ok, ça figurera au rapport. C'est gentil, merci beaucoup. Chers collègues, la séance plénière de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune est close. Je vous remercie pour votre active participation. Je vous souhaite un bon week-end et une excellente soirée. Prettig weekend.